Et attends, attends. Oui, non, c'est bon, ok. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Commande, je teste si ce truc marche. Petite info juste avant de commencer. C'est très moche. J'ai changé de logiciel pour enregistrer. Je suis passé sur ce qui s'appelle Streamlabs. Du coup, si c'est les changements sont radicaux, ben voilà. Passé sur le logiciel des vrais streamers. Ouais, ouais, grave, ouais. N'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Remplace mon le A par un E. Et on en reparlera. D'accord. Oui. Bon, personne n'a la ref, mais ça, ce n'est qu'un détail. Private joke. Private joke, mais public. Parce que c'est sur un serveur Discord public. Il est vrai. Oui. Sauf que personne ne sait qu'il existe, parce que les personnes qui le possèdent n'en font jamais la promotion. Il est vrai aussi. Oui. Le classé League of Legends, quoi? Pardon. Attends, voir le live. J'avais modifié, c'est pas League of Legends que je stream, modifié. Putain. T'as modifié sur Streamlabs? Non. Ah bah c'est peut-être pour ça alors que ça s'est remis sur League of Legends. Monde, ok. C'est pour ça que je t'ai dit de le faire avec Streamlabs. Ouais, si tu veux, là. Mais j'avais enregistré. Bon, dommage, hein. Ouais, TG. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, je vérifie juste qu'on t'entend. Ah, ouais. Parce que c'est pas important, mais bon, on sait jamais, hein. TG. Attends, je vérifie juste qu'on t'entend. Parce que c'est pas important, mais bon, on sait jamais, hein. On t'entend. Il y a eu de l'écho, j'espère. J'en sais rien. J'espère. Ouais. J'ai pas partagé. Bon, maintenant, mets-toi prêt qu'on commence cette game. Ouais, grave, attends. C'est où Civilization, celle-là? Oh, Consequences. Oh, le mec, maintenant, il se ouais. Et lâchez vos subs tier 3 alors que je n'ai pas la monétisation, du coup. Ben, enfin, je n'ai pas l'affiliation, du coup, ben tristesse. Sub tier 3... N'aura pas lieu. Sub T3 dans le vent. Vous avez c'est le ça. Monde de la formation. Comme avec Gigi. Pourtant, mon dieu. Bon, ouais. J'avoue, j'ai pas perdu d'argent parce que c'était un Prime. Donc, oui. Ah, t'as ton Prime, toi? Bah oui, puisque j'avais Amazon Prime à ce moment-là. Par contre, tu sais si du coup, genre, il pourra récupérer l'argent ou pas? Ça m'intéresse. À mon avis. Lui, il dit qu'il pourra, mais à mon avis, vu que bah, ça fait longtemps, à mon avis, non. Ouais. En vrai, par contre, il y a moyen, genre, s'il y a moyen d'être affilié et d'avoir l'argent sans forcément lié, parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir affilier ma CB tout de suite. Pour des raisons que tu sais de merde. Ben voilà. Ouais, je vais baisser un petit peu mon son. Je trouve qu'on m'entend un peu fort. Et je vais augmenter un peu le tien. Mais genre un peu. Évidemment, twitch.tv/naidy. Bon, par contre, je vais pas commenter beaucoup durant ce live. Je suis un peu crevé. Ouais, t'inquiète, vous êtes le dernier humain de la partie. Mec, je suis le dernier humain de la partie. Oui, non, mais c'est parce que bah tu connais mon chargement. En attente de Xeno. Apparemment, oui, c'est bon, t'existes. T'es qui déjà, toi, t'es elle? Regardez-le, c'est une meuf. Oh là là. Vous êtes le dernier joueur humain de la partie. Ah, toi aussi. C'est les problèmes. Mais je te vois vraiment déconnecté, c'est ça le pire. Imagine, on est dans deux parties différentes. Attends. Tu l'as vu ou pas? T'as pas le chat? Non, vraiment, je... Là, je te vois vraiment comme déco, en fait. Moi, il est marqué Xenokiro 59300 déconnecté. Moi aussi, Bon, menu principal. On recommence. C'est rien, c'est d'Afrique. Quoi? Pardon? Ah oui, je vais... Boire.
Send the code to the code of the internet. Allez, laisse-moi le temps de charger la partie. C'est rien, c'est de l'Afrique. Je... Oui. Ah, j'ai un MP. Mec, je vais pas te mentir que j'ai la flemme de changer mes paramètres sur Streamlab. Du coup, je vais juste balancer le code en privé. Mais genre là. De toute façon, est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Si oui, manifestez-vous en vous abonnant. Non, mais de toute façon, même si tu balances le code, je ne pense pas qu'ils peuvent rejoindre. Ok. Vu que la partie a déjà commencé. Ouais. Mais bon, ne le balance pas quand même. Trop tard. Mais tu l'es, va. De toute façon, actuellement, le seul spectateur, c'est moi. Dans le monde entier. Pourtant, d'ailleurs, Xeno, de notre avenir n'a été envisagé. Tu connais la technique de regarder les lives de ses potes et de politique. Notre arsenal mortel. Oui, le streamer A que je connais, mais je ne... Non, je veux dire... hashtag 3 joueurs. Alors que Nock 2, genre 0 en fait. Le problème, c'est que si je regarde ton live, j'étais sniper un peu. Votre fascination pour les c'est vrai. Et, la culture est un don voilà. Et toi, tu ne joues pas sniper. Tu joues lance-roquette. On débloque au niveau 5. Sauf dans SAO Fatal Bullet, où là, je joue sniper et pistolet, mais bon. Moi, je joue pas. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est où là, t'es vaincu? Oh putain, les 3 milliards de notifications Discord. L'idée, c'est déconnecté de la partie. Ah, Neider rejoint la partie. Mon dieu, ça marche. Mon dieu. Alliance rompue. Attends, je regarde bien si c'est bien toi dans la partie. Moi, il est marqué Neider, Empire russe. Xenokira, Empire égyptien. Voilà, nickel. Il est marqué la Suisse. On va voir si t'as le chat. Ouais, bon. Est-ce que tu apprécies cette réponse? Non, absolument pas. Putain, par contre, mon rire, il est toujours aussi dégueulassement magnifique. Dégueulasse, tu veux dire. Magnifique. Il est beau. Non. Brille. TG. Non plus. Tu vas pas recommencer. En attente de Xeno. Tu vas attendre, comme tout le monde. Par pitié, arrête de spam sauvegarde mort. Tu as... Il y a où le bouton signaler? Même report, c'est ça? Ah oui. Ah, attends. Je vais baisser un peu parce que l'écho... Faire un marché. Je peux pas. En fait, non. En fait, non. Il y a Chedette en haut. Ah. Chedette. Catherine m'a envoyé un semeuseux. Oh. Par contre, attends, comment ça, il y a une de tes villes qui a changé de religion? Laquelle? Celle du milieu. Thébès. Oula, je l'ai ok. Ah bah oui, t'es balé sur le catholicisme. Étrange. Étrange. Ah ouais, bizarre. Après, si tu veux, il y a Séoul aussi qui est... chez les protestants. Ouais, Construction d'un campus. Mais Ok, merci madame. Tiens d'ailleurs, toi, femme, faire un marché. Coffret de... Non, en fait non. Y'a pas un glandu qui veut faire un accord de recherche, SVP? C'est pour l'Afrique. Pour les soutiens à l'Afrique. Construire un spatioport. Ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même. Ah oui. Bon. Ah, au fait, il y a les Espagnols qui ont envoyé plein de missionnaires chez moi.
et de d'apôtre. Ouais, à mon avis, il vise la victoire culture, religieuse. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est les premiers dans le domaine. Ouais. Wow, le petit lag. Un quartier indusu. Maintenant, je sais faire. Je suis un bâtisseur, qu'est-ce qu'il fout? On va partir là-dessus. Pouk. Qu'est-ce que je voulais, moi? Là, d'ailleurs, j'en étais où, moi, dans mon frise technologique? Ah oui, j'étais en train d'apprendre la nanotechnologie. C'est bien. Et j'avais quasiment fini l'entièreté de l'arbre technologique. C'est bien. Par contre, soit c'est l'arbre des dogmes que je suis quand même... Bon, je vais pas dire en retard, puisque je suis premier, mais... Voilà, quoi. Je suis pas si avancé que ça. Moi, je suis à la fin. Je suis à la traîne avec Catherine. Ah oui. Oh oui, non, mais toi, t'es... Oui. T'es loin, frère. T'as l'air industriel. Lui, il faut qu'il dorme. Et lui, pareil. Le tour qui suit. Ah. Quel sera ma... Ouais. Philippe II a construit le temple de Mabodi. Wow, calme ta joie là. On va prendre la construction de ça. Toi... Attends. Mec, au fait, juste pour info, 5 objectifs. C'est ce qui me reste pour la victoire scientifique. Enculé. Le pire, c'est qu'il visait vraiment ça. Hein. Peut-être pas. Peut-être est-ce la guerre nucléaire que je cherche. Non, c'est ce que tu vises. Mais je pense que t'as gagné, hein, de toute façon. Qu'est-ce que tu en sais? T'as gagné, je pense. Peut-être bien. Peut-être pas. Non, en vrai, je pense qu'il y a encore moyen que je perde. Ok. Le missionnaire, là. C'est pour ça que je vais pas faire le malin. Hein, non plus. Ah, c'est marrant. Ah, c'est malin. C'est marrant. Tu dégages. Putain, par contre, mes bâtisseurs, ils sont en bateau. Ah. Ouais. Ils me dénoncent. Ok. Ils te dénoncent. Ok. Ok. Qui a déclaré la guerre? Ta mère. Bah, au fait, dernière chose. Bon, de toute façon, oui, je vise la victoire scientifique, je pense. Mais là, c'est le dernier truc qui me reste à découvrir. Après, il me reste plus qu'à lancer 3 modules, dont 2 en cours. Ok. Et bah, après ça, bah, j'ai fini. Bah, la seule moyen que je peux te rattraper, c'est que j'ai un boost scientifique de 3 millions. Au moins. Voilà, ce qui est impossible. Et voilà, parce qu'en fait, le seul moyen que j'ai de départ, c'est de faire aussi la victoire scientifique. J'ai découvert la nanotechnologie, donc j'ai plus qu'à lancer les modules. Bah, moi, j'ai découvert aucun des 3 modules, donc... Ah oui, je peux prendre la technologie future. Ok. Mais bon, ça sert à rien, vu qu'il n'y a pas de victoire au score. Oui, après, c'est toujours utile, hein, mais... Ouais, mais bon. Oui. De toute façon, si t'as plus rien d'autre à construire, à rechercher... Il m'en reste, mais genre très peu, tu vois. Ouais. Bon, bah, Cadette, il va... Ouais. Par contre, j'aimerais bien reconquérir ta ville en termes de religion pour pouvoir rebooster les ventes en termes de science, là, parce que ma croyance, elle rapporte de la science. J'espère pour toi que tu vas pouvoir. Ouais, après, c'est un boost, mais genre de rien. Ah. Ouais. Viens, tu me vends toutes tes villes. Non. Tu m'as pris pourquoi en fait? Pour Xenokira. Tu connais? Je sais pas si tu connais. C'est pas moi. Ah. Désolé de l'apprendre. Bah du coup, est-ce que tu es abonné à...
Et j'ai. Ouais, je peux pas. Enfin, je peux pas lancer les trucs tout de suite. Ah, votre taux meurt de ma main. Le mec qui me menace, quoi. Ouais. Du coup, t'as deux spatiaux de port qui sont déjà en train d'être construits, c'est ça? Enfin, qui sont en train de lancer le module, c'est ça? Peut-être bien. Ah. Ah oui, parce qu'en plus, t'as déjà lancé le satellite, c'est ça? Attends, oui, j'ai lancé le satellite. Et là, je suis en train de faire le programme envoyer un. Ok. Après ce programme-là, il me restera, pour te donner une idée, le module de réacteur, module d'habitation et hydroponique. Et j'ai terminé. Tu dois lancer les trois modules encore, ok. Je note. Bon, bah, je pense que je vais couper certaines choses et je vais lancer les stations-ports. Hein. Comment ça, il regarde du christianisme, ta ville, là? Ah, mais c'est parce qu'il y a un apôtre. Oh, putain. Ils sont petits, ils l'ai dit tout à l'heure, en plus. Ouais, mais je pensais qu'ils étaient partis. Ils étaient pas là tout à l'heure. Ouais. Bah, c'est pour toi, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Choisir une prod. Oh, le missionnaire. Où est-ce que j'ai... Très bien. Ah, et ma construction de bombes nucléaires est aussi bientôt terminée. Ok. Oh, yes, j'ai saboté une production chez les... Chez les... Bah, chez Tommy Risk, quoi. Il a une promotion... Okay. Oui, par contre, eux, ils sont en retard. Hein. Enfin, ouais. Elle est en retard. En termes scientifiques, on appelle ça un retard... Retard, en fait. Oui. Et de voir dans quelle ville t'as construit un spatioport. Ah, ici. Ça sert à rien de vouloir essayer de le détruire. Je suis en contre-espionnage dessus. Non, mais mec, est-ce que tu crois sérieusement que j'ai les capacités de te détruire? Oui, c'est vrai. Mec, imagine, j'ai pas d'espion. Ah bah, oui. Ou alors, peut-être que j'en ai 150 millions, mais pas là. Peut-être bien. De toute façon, je crois que comme on est en alliance, ben, je peux pas. Il est vrai. Ah, je suis plus en alliance avec les Espagnols et les Gaulois. Ah. Est-ce que ça veut dire que je vais rentrer en guerre avec eux? Oui. Ou peut-être il pas. Est où, il est où mon missionnaire? Il est là. Toi, le bâtisseur, il a bâti, donc il va aller... Il s'est mis sur la piste pire case, lui, là. Alors... Le problème, c'est que rentrer en guerre avec les Espagnols, est-ce vraiment une bonne idée? Choisir une prod. Choisir une prod, j'ai dit. Un atelier. Un spatioport. Attends. Faut que je pèse le pour et le contre du... D'une guerre avec les Brésiliens. Bah déjà, si tu le fais, bah ils m'attaquent. Ah quoi que non, comme je suis en alliance avec eux, ils vont peut-être pas me monter dedans. Je sais pas, peut-être, j'espère. Mais le problème, bah non, c'est si je déclare la guerre avec Catherine ou toi. Mais le problème, en fait, c'est que je voulais les affaiblir un peu, mais... À un seul niveau, et c'est au niveau bah, du nerf de la guerre, évidemment, que je vais être emmerdé. Ah. Au niveau de l'or. Parce que la seule cité-état dans laquelle j'ai des trucs pour l'or, c'est les suzerains. Ah. Et vu que, bon... Est-ce que je te propose... Je vais te proposer un marché, attends. T'es où? T'es là. Vas-y. Donne-moi... Attends. Qu'est-ce que tu as qui m'intéresse? Ça.
Vas-y, ça. Donne-moi ça, 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 ça et ça. Et je vais te donner en échange. Refusé. Ah En fait, là, tu vois, t'as Cléopâtre qui te renvoie une lettre avec un gros doigt dessus. non, bon, ok, je te propose ça. Ça, oui. Changement de ville pour l'espion. Et en échange, je veux... Ouais, non, peut-être pas autant. On va dire, allez, Le ça. Neken, c'est bien ça? Ah, c'est Neken. Je vais renvoyer mon espion à Neken. Et je veux bien ça et ça. Tu veux que je te Salut file de Axel. l'or? Non, je joue pas à Apex. Hein? Tu veux que je te file de l'or? Non, et des merveilles. Pas Oui, j'ai des vu. chefs-d'œuvre. J'ai besoin de ces chefs-d'œuvre, tu sais. Bah, moi aussi. Et d'ailleurs, bonjour, bonsoir Axel, hein, au passage. Attends. Est-ce que tu peux refaire l'accord 2 secondes? J'ai juste besoin de vérifier un truc. Je reprends le même ou pas? Je veux bien, mais dans ce cas, il va falloir reprendre un chef-d'œuvre en moins. Ok, j'en avais proposé combien? Tu m'en avais proposé deux. Deux. Ok, bah je vais prendre. Ah, celui-là, il est bien. Surtout qui me concerne un peu. Proposer un accord. Il est préjugé. Pourquoi je m'en doutais? Pourquoi je m'en doutais? Mais allez. Et par contre, tu gagnes, hein, la guerre. Oui, ça, tu voulais que je déclare la guerre en échange? Non, tu... Non, mais si tu fais la guerre avec eux, tu gagnes. Oui. Du coup, c'est bon? Mais du coup, il y a une obligation à la guerre ou... Non, y a pas. Regarde, il est marqué dans les accords. Ah oui, bon bah oui. Mais si, Donc mais... non, je vais garder cet or pour mieux l'investir, on va dire. Putain, remboursé. Mec, quand je te dis mieux l'investir, ça veut dire que je vais pouvoir me faire des sous-marins nucléaires avec. Des quoi? Des sous-marins nucléaires. Oh, bon là, d'un coup, c'est mieux. C'est intéressant. Donc si je pars avec un sous-marin nucléaire, inutile de te dire que la guerre a fini avant de commencer. Ok. C'est pour ça que je ne vais pas y aller tout de suite. Ouais, par contre, attends. Bon, par contre, on a toujours le risque que Ojo Tokimune il se met en alliance avec eux. Ouais. Par contre, attends, comment ça, on voit pas le compteur de spectateurs et... Ouais, non, ça je touche. Non, ça tu reviens comme J'aimerais avant. juste vérifier. Putain. Ah ok, non, ok, c'est juste qu'elle était possiblement très très mal... Attends. Ah oui, ah, beurre, oh, beurre, oh. J'ai plus besoin de tout ça. Attends, je recadre la boîte de chat, mais... Comment dire? C'est très... bizarre. Non, en fait, je veux pas l'agrandir sur les côtés, je veux juste l'agrandir vers le haut. Putain. Bonsoir. Bon, je remets les liens vu que l'on sait jamais. Tu me dis quand le tour est fini? Ouais, de toute façon, là, je dois regarder certains trucs, donc Ouais. Oui, par contre, je... pas tout Ah de suite. oui. Ah ouais. C'est tout petit. Apparemment, on a trop de spectateurs. On va continuer.
On va continuer là-dessus. Hop. Enfin, quoi que. Plutôt là-dessus. Hop. Voilà. Maintenant. Bon, pour être sûr qu'on ne perd pas. Enfin. Allez. Qu'on ne soit pas en alliance avec les Brésiliens et les Gaulois, je les dénonce. Ok. Poursuivant. Histoire que l'effort de guerre, air que tu m'as filé, ne serve pas. Oui, sinon rembourse-moi. Voilà. Ceci étant. Racadet, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ok, les motos. Sa moto. Wesh, non mais. Ah, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bon, ça marche. Juste là où je vais. Du coup, là, j'attends que le mec fasse des choses. Le mec a fini. Ah bah ça y est, j'ai pu découvrir la télécommunication qui me donne les sous. Ok. Non, il a des sous-marins nucléaires. Ça y est. Ah, nouvelle. D'ailleurs, lui, attends. Qu'est-ce que je change de gouvernement, moi? Oui, attends, il y a un problème, non? Putain, dans cette tour, je l'ai! Putain, c'est dans longtemps! Ouais. Et Neken a fini de découvrir l'opération Ivy. Ok. La construction de bombes A sont possibles dans 3 tours. Ok. Du coup, dans 3 tours, j'ai les sous-marins nucléaires équipés. Bah, écoute, let's go. Voilà. Oh, hop. Bon, lui, je vais passer son tour. Toi, le poutisme. Neken. Je vais avoir besoin de bâtisseur à Neken. Tac. Histoire de finir le plus vite possible. Toi, va ici. Va-t'en. J'ai découvert le génie. Le génie. Oui. Une erreur classique chez ce génius. Oui. Mais attends, comment c'est possible? Oh putain, le Japonais il fait chier. Malgré le fait que je les ai dénoncés, bah. Je suis en alliance avec eux. Ah, il va attendre 30 tours, c'est ça? Oui. Mais bon, au moins je peux. Au moins, tu me diras, je peux rediriger ça vers les Espagnols. Oui. Vu qu'ils te font tant chier. Ouais. Oh, je t'en supplie, donne-moi une de leurs villes. N'importe laquelle, mais donne-la-moi. Une ville de merde. Mais je la veux. Allez. Et je la renommerai. Non, je la renommerai pas, vu qu'on peut pas. Mais... Laquelle te ferait plaisir? Oh, n'importe. Bon, c'est un peu, c'est la plus de 10, parce que celle-là va falloir m'aider quand même, hein. Alors, Barcelone, elle m'intéresse... Je veux Barcelone ou Tolède Non. Bah, Madrid, je peux pas l'avoir, vu que, bah, c'est la capitale. Que si tu l'as, bah, oui. Voilà. Saragosse, elle te dit? Saragosse, Cordoue... attends, quoi que fais voir Saragosse, c'est quoi elle ressemble? J'ai une domination de la culture sur toi, apparemment. Ok. Ben, Cordoue, Saragosse, ouais. On parle les deux. Ok, pas de souci. Toi, tu dors. Tour suivant.
Ah oui. Bon. Bah je vais attendre, je vais... Oula, j'ai le hockey, mais je crois que j'ai trop mangé. Après, t'as vu la taille du burger aussi. En vrai, je peux plus m'étendre là. Enfin, je peux limite m'étendre ici, mais ça servirait tellement à rien que ça en devient nécessaire en fait. C'est tellement inutile que c'est important de le faire. Parce que j'ai tellement d'autres choses. J'ai tellement. J'ai tellement plus de choses à construire que ça, bah du coup, bah nul. Il y a un colon japonais qui se balade. Il y a des colons, ils se baladent partout. Mais je crois qu'ils cherchent des endroits à construire, mais ils peuvent pas. Ouais. Bah toi, donc tu ça, c'est moi. Je possède l'Australie. Possède l'Australie. Ouais, par contre, j'aurais peut-être m'étendre un peu plus dans l'Australie. En fait, donc j'y pense. J'ai un aimant avec de l'or, un colon. Compagne dans la guerre qui concerne l'Espagne. Pas du tout. J'ai pas du tout d'unité. Mec, ma seule unité. Donc en gros, ce que t'es en train de me dire, c'est. Je veux une ville, mais tu te démerdes. Je te donnerai des trucs en échange, évident. Mais mec, tu veux que je construise, que je fasse quoi pour t'aider? J'ai un chevalier et un cosaque. C'est tout. D'accord, bah faudra me donner de l'uranium en échange. Mec, t'inquiète, c'est prévu. Dès que je l'ai, je t'en passe. Alors, d'accord. Construire quoi? Et au fait, j'ai pris Genève. Ok. Ah, pas encore, on est à égalité. Toi et moi? Tous les deux. Ouais. C'est où, Genève? On a tous les deux 9 trucs là-bas. Apparemment, quelqu'un en a 10. Ah oui. Oh putain, 119 tours, putain. Un hôtel. Par contre, ouais, il va me falloir Genève, c'est pour ça que j'insiste autant. Ouais, ok. Un bâtissant, il va bâtir ici. Poursuivant. Ah, plein de sous-générés. Vu la famille, où ça? Oh non, ils ont faim. Pas grave. Oh les pauvres. Oh les bébés. Allez, enlève le truc de changement de tour là, merci. De toute façon, on produit de la science et de la production, pas de la bouffe. On veut des cerveaux, pas de la nourriture. Avoir besoin, hop, d'aller à mon fils avec eux. On refait des stationports. Dès que j'ai suffisamment de stationports, je peux lancer mes programmes et j'aurai fini la game. Ah déjà? Oui. Ok. Mais bon, je te dis ça, j'en ai encore pour un moment. Ok. C'est pas encore. Du coup, je verrai pour la première fois l'écran de défaite. Oui. C'est triste. Franchement. Ah, apparemment, ils sont en guerre, eux. Mec, tu sais ce qu'il me reste combien de technologie avant la technologie? Mm-hmm. Enfin, c'est-à-dire avant d'avoir fini l'entièreté de l'arbre. Vas-y, dis. 3. Ah, combien de tours? 3. 3 qui sont chacun à un tour. Ah oui, bon, bah, GG. En même temps, après, en vrai, t'as eu. Moi, je suis à 13 tours avant de finir mon spatioport, mon premier spatioport.
Ah oui. Oui, 12 maintenant. Mais mec. Ah oui, donc non, elle a beaucoup trop de retard pour me rattraper sur la scientifique. Ouais. Mais en même temps, je voulais pas me développer à cause de Madrid. Oui. Mais comme j'ai dit, quand tu fais la map la Terre, ouais. Le mieux. Merde, non. Le mieux, c'est de spawn en Amérique. Oui. Vous êtes que deux en Amérique, généralement. Voilà, c'est le bien. Oui. Oui. Ouf. Ouh, ouais, ça va être compliqué, là. Je te le cache pas. Bon, il va se calmer, lui. Écoute, plus vite tu gagnes, plus on termine le live, plus vite je peux aller dormir. Quoi ? Comment ça ? Mon Dieu, en fait, je ne joue pas pour le plaisir, mais pour l'argent. Putain, mec, oui. Tu vois Tokyo? Oui. Tu vois au-dessus il y a Takasaki, hein? Oui. Tu vois au-dessus il y a Vigo? Ah. Ouais, regarde. Oui. Ils sont à ce niveau-là de dèche. Oui, je vois ça. Ouais. Envoyer un homme sur la lune. Ah, apparemment dans 4 tours, j'ai la nanotechnologie dans 4 tours, apparemment. Ouais. Et dans... Ah. En fait, j'arrive à augmenter ma prod, et en fait, j'ai peut-être moyen de te rattraper. Oui, pour ça. C'est ça. Mais... C'est trop serré. En fait, le seul moyen que j'aurais pour gagner là, c'est que je ne puisse pas construire pendant genre... Allez, 10 tours, tu peux pas construire, et j'ai une chance sur deux de te rattraper. Sauf que... Il n'y a aucun moyen que je ne construise pas pendant 10 tours. Oui, voilà. C'est le seul moyen que j'ai, mais il n'existe pas. À moins que... Et là, imagine, les Brésiliens. Genre, les Brésiliens ne pourront rien me faire, je suis en alliance avec eux. Les Espagnols, ils arrivent à te casser les couilles. Oh, imagine. J'ai un doute, tu sais. Ouais, mais imagine quand même. Et imagine, le plot twist, on perd. Pour une raison autre. Ça pourrait être possible, en vrai. Ouais. Genre, là, d'un coup, il y a le Brésilien, il arrive à convertir toutes les villes qui lui manquent. Bon, ça va être compliqué, hein, en vrai. Mais, par contre, ils sont hindous. C'est tout. As-tu déjà entendu parler des hindous? Bon, par contre, j'ai besoin du plus de nourriture possible pour un cadet. Je suis en train de construire de nouveaux spatioports, au fait. Hein. Putain, on n'a pas besoin d'autant, mais ok. Bon. Écoute, pour aller plus vite... En vrai, en total, t'as besoin de 3 spatioports. Même pas. Je suis en train de reconstruire 3 spatioports. Non, mais en vrai, t'as juste en total, t'en construis 3, et c'est bon. Bon, je vais annuler celui de... De mon fils, je vais annuler celui de mon fils. Ouais. T'as besoin de 3 parce qu'en fait, au final, il faut envoyer que 3 trucs. À la limite, tu peux même en envoyer 2 parce que si en construire 2, genre si t'as pas débloqué un, le temps qu'ils envoient, généralement, bah c'est bon. Oui. Waouh. Bah, juste quand tu prends une bombe nucléaire sur la gueule en plein milieu et c'est bon. N'est-ce pas? Bah, je suis le seul à avoir derrière la fusion nucléaire donc. Oui, voilà. Ce serait problématique que, genre, d'un coup, il y ait un missile nucléaire qui spawn et qui te casse tout. C'est une menace? Non. J'allais dire, parce que moi, je peux ramener ça. Malheureusement, non. Malheureusement, qui me dit l'autre. Ah, y en a qui ont commencé la victoire scientifique. Ah bon? Mais ils sont bien loin de m'égaler. Ah ouais? Ah oui! Ils ont déjà construit un spatioport. Ah, ça tombe bien que tu veuilles les attaquer. Non, je peux pas les attaquer là pour l'instant. Si, c'est Philippe II et Tomiris. Ah oui. C'est vrai, il y a eux aussi.
Bon. Ouais. Qu'est-ce que je fais? En vrai, le plot twist incroyable, ce serait que ce soit moi qui gagne. Mais c'est impossible. Mec, mon unité en t-shirt moderne, elle a plus de 100 de corps à corps. Oui. Bonne chance à eux pour me... Mes Cosaques, ils ont 76 en corps à corps. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Après, attends. Merde, je voulais pas passer mon tour, mais quel connard. Oh, merci, mec. En vrai, attends, j'ai peut-être quand même moyen de gagner, en vrai. Mais il faut juste que mon spatio porte... Si, parce que j'ai... Non, je t'assure que non. D'ici 17 tours, j'ai mon deuxième spatio port. Ok. Ah, les lags, ok. Je vais... Qu'est-ce qui rapporte de la science, de la culture, de l'argent? De la production, surtout. Ah oui, mais ma pénalité de bellicisme va être vraiment nuisible si je... Parce qu'en vrai, j'ai un outil secret qui peut me servir plus tard. Le problème... Allez, vas-y, raconte. C'est que pour qu'il serve... Enfin, il me faut un spatioport. Et ça, c'est un problème. C'est une autre histoire. Quel est le problème? Parce que je n'ai pas de spatioport. Ah. Ouais. Moi, j'ai bientôt mon deuxième, donc... Cool. Cool, nounours, cool. Je sais pas, un truc de type argent... Non, c'est dans tes cases! Je pouvais augmenter ma production un petit peu, mais c'est chez toi, donc c'est chiant. Ah merde, c'est con ça. J'ai la frontière des Espagnols, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Mec, tu peux me vendre une case? Non. Tristesse. Tristesse et désespoir, n'est-ce pas? Ah, le lag. Ah, Catherine a construit la... Construire le. Chut. Alors, oui. Mais juste quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Que dit-il? Ah, je vois que. Ah, ok, oui, c'est rien de grave. Ok. Putain, ça a augmenté. C'est passé de 60 à 30 en une construction. Trop bien. Ouais, allez, tiens, construis ça. J'en ai pas. Toujours servir. Puis l'argent, hein. De l'argent. Imagine tes post up tier 3 à ma chaîne. J'aime que ça me fait une belle jambe. Oui. Comment je vais faire le procédé là-dessus? On va attendre deux Xeno. Deux secondes. Je suis en train d'essayer de gérer un truc. C'est un très gros poulpe. Ça y est, j'ai fini tout l'arbre technologique au fait. Ok. Ça m'emmerde un peu, mais... Mais pourquoi ça s'appelle Dogface?
face de chien. Ah, j'ai ça qui va être truc. Oui. Ah, je suis envie de patienter. Dans un tour, j'ai fini une découverte incroyable. Et ben, moi, dans 3 tours, j'ai envoyé un homme sur la lune. Sur la lune. Et du coup, bah, ce qui veut dire que mon deuxième objectif scientifique sera terminé. Il me restera plus que la troisième. Okay. Où j'ai déjà fini 3 étapes. Ouais. Moi, j'en suis à... au secours. Choisir une technologie. On croit dans 7. Attends, est-ce qu'ils ont des trucs en commun ou pas? Non, pas du tout. Autant lancer ça. Lui, il en est à 8. J'aimerais dégager si possible. Bon, par contre, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais les catholiques qui font chier. Oh. Ouais. Enfin... Ouais. Oh non, je vais rester là-dessus. Parce que c'est pas que cette ville, même si elle est pas à moi, elle est à moi. Mais elle est à moi. Donc s'ils pouvaient arrêter de vouloir me la prendre, ce serait cool. Même s'il est marqué qu'elle est à Xeno, elle est à moi cette ville, ok? Et non. Bride. Non, les poulpes s'en vont. Attends, toi. Pierre 2 du Brésil, faire un marché. Accord de recherche. Mais frérot, tu veux de la faute. Voilà. Oh, ça va me sauver la vie par contre. Oh, en vrai, ça va me sauver la vie. Mmh. Ah, le lag, mais c'est bon. Pas moyen de... La furtivité. Alors, il y a quoi dans les trucs d'avant que j'ai pas découvert? Les tactiques militaires, ok. J'ai juste pas trouvé la tactique militaire, très bien. C'est normal donc que je ne gagne pas. Oh! Choisir une prod. Ah, y'a pas de. Problème. Toi t'es là mais pour dormir. Hein. Ah non, quoi que ce soit. Est-ce que... Et toi le bâtisseur que j'ai construit, tu vas aller construire ben, ça là. Ville affamée. Apparemment, j'ai des villes qui ont faim. On a faim. On a faim. Je m'en bats les couilles. Produisez de la science. Okay. Envoyez un émissaire. Où ça? Ok.
Oula, 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 où ça? Ici. Ils vont mourir. Attends voir. C'est vrai que j'ai débloqué la compétence de faire des choses avec la foi. Oh. Voilà. Ensuite, acheter. Ou alors je suis trop con et en fait, oui c'est ça, en fait depuis tout à l'heure je dépense mon argent et pas la foi. Oui bon, bah je suis pauvre, parce que je suis con, mais c'est qu'un détail. Où ça? C'est où Astrakhan? Putain. Produisez de la production. Sion, sion, sion. J'en parle pas assez, mais cette ville-là, elle me fait marrer. Hein? Genre, elle est hilarante. Genre, t'es mal à la taille de la ville. Attends. Genre, elle fait deux cases. Et tout le reste, c'est de l'eau. Okay. Vigo. Il y a ces villes. C'est les villes à qui, c'est ces villes. Mec, viens, tu me vends des cases. Non. Tu peux pas, de toute façon. Il devrait apporter ça dans. Il devrait apporter ça dans le jeu. Des cases. Ah si j'aurais su, j'aurais construit ça, mais bon après de toute façon ça change. Du coup un tour. Comment je procédais à ça? Ah ça me rend fou putain. Joli masque, joli casque. Ouais. Que... C'est mal la taille de mes villes. Donc je suis. Ah, il est là, non? Mais elle fout quoi, la Catherine là? Si elle vise cette victoire-là, bah elle est un peu dans la merde. Bon, c'est un peu la seule victoire qu'elle peut tenter. Pas moyen d'aller voir les trucs par équipe. On va voir c'est quoi sa puissance militaire. Ok. Est-ce que j'aurais tenté de mettre une ville ici? Ah, franchement, je pourrais, mais je le ferai pas parce que flemme.
Oh, je suis sauvé. Putain. Parce que ma capitale a failli tomber dans le déclin à cause... Ok. À cause d'une famine. Ah. C'est cool. Oh putain, c'est... Ah putain, c'était chaud. Ah là, je t'avoue... Et en fait, c'est les poutismes qui te mangent tes religions. C'est ta bouffe. Bon oh bah du coup, qu'est-ce que je vais faire, Anakin ? Un puits de pétrole. Bah j'y pense. Anakin. Ah mais je viens de finir le programme envoyé à un homme sur la... GG. Ce qui veut dire qu'il me reste plus que deux objectifs, si on... trois objectifs. Lancer module réacteur d'habitation et hydroponique. Ok, très bien. Comment je lance ces merdes? Ah, moi je sais. Tu vas me le dire parce que tu es sympa, n'est-ce pas? Quand mon mien de spatioport est construit. Oui, bien sûr. Dans 5 tours. De toute façon, tu peux juste ouvrir ton esprit. Ah bah je sais. Voilà. Okay. Voilà, il a ouvert son esprit. C'est ça. Par esprit, je voulais dire menu, mais tu as compris. Oui. Tu as compris le sens caché de mes phrases. Oui. Par contre... Je suis là. C'est long. 2 secondes. Une. Le mec. 2. Ah oui, d'ailleurs, bientôt je saurai, je pourrai voir où se trouve l'uranium. Ah. Ouais. Pas 3 tours. Oui. Et comme en Australie, je sais qu'il y en a pas mal. Dire que je suis pas mal. Après, 100%, comme je suis con, j'en ai sûrement, comme je sais plus sur quelle case exactement. Il y a moyen que j'ai construit pile là où il fallait pas. Ça m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Par contre, si j'arriverais à débloquer plus vite la démocratie, ce serait bien. Je sais pas que je suis en retard, mais un peu beaucoup en fait. C'est con. Ouais. Toi, tu vas aller. Je vais devoir te bouger ou toi. Bah écoute, je sais plus. Je vais aller à tête pour l'instant. En vrai, il y a moyen de construire une ville ici. Bon, ici c'est un peu compliqué, mais. Je construis une ville là. J'achète. Rien. Je fais rien. Mais voilà. Pourquoi Catherine elle s'étend pas par là? Et aussi, pourquoi Catherine, je sais pas ce qu'elle fait. Faire un marché. Accord de recherche. Faut que je trouve un moyen de. Ah oui, il va falloir que je trouve ça aussi. Bon. Je vais peut-être plutôt chercher ça avant de chercher ça. Ouais. En 2? Oh putain, il faut ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, compte, ouais. En vrai, ça... Catherine!
compliqué un peu la dame. Hein. Bon. Établir une route primaire, oui, bah, lol. Si je fais ça. Vous avez découvert robotique. Je vais tempo comme je peux là-dessus. Vas-y. 5 tours. J'aurais peut-être pas dû, mais. On va voir ce que ça donne, écoute. Ouais, j'ai des petits lags, attends. Oula. Ouais, si c'est bon, ça a marché. C'est bon, attends, je lag. Je ne touche plus à rien. C'est bon, ça ne lag plus. Ça a l'air, ça bug encore un tout petit peu quand même, mais ça a l'air d'aller. L'Europe japonaise. Oula. On parle pas assez de l'Europe japonaise. Ou aussi d'ailleurs. Par contre, oh non, mais genre ils ont reconstruit un truc juste derrière. On chie un peu. Ils ont construit pour affronter un missionnaire. Les Espagnols ils ont construit 3 gourous. Oh. Ouais. Pour un. Sachant que le missionnaire peut pas se battre techniquement. Très bien. Ouais. Ils sont à des niveaux de faiblesse. Par contre, attends, où la recherche pour envoyer un homme sur la ligne? Ah, ça y est, je vais pouvoir changer encore de gouvernement. Ok. Comment on... pour envoyer un homme sur la Lune, c'est... Il y a plein de satellites ou pas? Oui. Ok, ah oui, c'est... Non, mais je veux dire, c'est instantané. Enfin, c'est dès que tu as lancé le satellite, c'est bon? Non. Il faut... Il y a un programme à faire. Putain. Et c'est lequel? Parce que je le trouve pas, en fait. À toi de le découvrir. Il s'appelle Envoyer un homme sur la Lune. Oui, non, mais je veux dire, il faut débloquer, faire une recherche spéciale pour ça ou pas? Oui, bah, je vais te le dire. Ok. Lancer un satellite. C'est ce que j'étais en train de chercher, c'est bon. Ok, oh. C'est juste que leur truc, il est pas clair. Mais tu n'es pas clair. Bah non, je suis une idée. Je sais pas c'est qui clair, mais à mon avis, c'est... Bon, j'ai mon premier D3 qui est lancé. Hein. Ok. We are in the sauce. En effet. 5 tours avant mon spatioport. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bah moi je trouve qu'on parle pas assez du fait que dans 14 tours j'ai un deuxième spatioport et donc un deuxième programme qui est lancé. Et dans 24 tours et dans ça j'ai mon troisième spatioport. Ok. Par contre, j'espère que je pourrai utiliser ça avant par principe. Parce qu'en fait, j'ai le personnage illustre des trucs de espace. Oh. Ouais, en gros, il donne 5000 points de recherche. Oh putain, tu me fais chier, j'aurais aimé l'avoir lui. Si t'as le spatioport. Ouais. Ouais, genre j'étais en mode. Attends, mais. Je l'ai, il me sert à rien, ok, c'est cool, mais voilà. Et après, j'ai quand même moyen de gruger Xeno avec. Mais. T'aurais pu le refuser, tu sais. Non. Il te sert à rien. Bah, en fait, si j'ai. En vrai, à tout moment, je gagne quand même, on sait pas. Non. Bride. Absolument pas. Bride. Oh, t'es chier, putain. Ah, il me saoule. Non. Comme tu dis. Jeudi 3 mars 2022, 21h05 et 7 secondes, heure normale d'Europe centrale. Si tu veux. Oui, il est marqué en haut à droite. Et donc, c'est censé me faire quelque chose? Ben, t'es informé qu'il est marqué en haut à droite. Et encore une fois, c'est censé me faire quelque chose? Te culturer. Ah. Ben, j'en ressors vachement intelligent. Écoute.
Ouais, bah. Et vous, le chat, êtes-vous culturé? Ah. Ah, ça lag. Mais tu es un lag. Un lag. Oh non, mon missionnaire a été. Ah, ah, au secours. Langorfat. Je pense que c'est. Parce que c'est, mais c'est ça. Mais arrêtez d'attaquer mes troupes là, bande de moches. J'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais peut-être dû faire ça. Oh non, j'ai perdu en plus. En vrai, c'est quoi? Je vais faire un marché de pacte de défense. Avec qui? Les Gaulois et les Espagnols et les Brésiliens. Comme ça, si quelqu'un entre en guerre avec nous, bah il entre en guerre avec les. Ok. Et du coup, lui. J'ai découvert quoi avec lui? Ah, cool! En vrai, ouais, cool vraiment. Mais ta mère, toi. Bon, je sais pas, elle va mourir. Elle va mourir. Maintenant que j'ai eu ça. Non, peut-être pas. Tu as brûlé. Je cherche quelque chose en particulier. Allez, juste pour le fun, je vais aller et je vais chercher la doc. Ok, la doc. Ouais. Ça a coupé avant la fin, donc je sais pas. Ah, je dis la doctrine du fascisme. Ah, ok. Je vais aller la chercher. Ok. C'est long. 2 secondes! Oh! C'est quand même long! Le mec! Bon bah pour la peine. Merci. Tac. Améliorer en hélicoptère! 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 Un industriel, bombe. Hop. Franchement, vas-y, go l'améliorer en hélico. Mec, des hélicos, moi je peux m'en acheter! Ouais, mec! J'ai dépensé presque 200 d'or pour transformer un mec en hélicoptère. Mec, moi je peux les acheter les hélicos. Attends, c'est combien? Il me semble que c'est 800. Ouais, mec, tu me dois 500 dans 1200. Tu me dois 500 pièces d'or parce que t'as pas fait la guerre aux Brésiliens. Je te dois rien du tout. Si. C'est toi qui me les as donné de ton plein gré. Ouais, parce que tu devais gagner et tu l'as pas fait. Quel dommage, là. Ouais, tu es un menteur. Et un menteur. Et seulement je n'étais qu'un menteur. Tu es aussi un énorme fils de. Finis ta phrase et je te nucléarise dans la seconde. Fils de. Pute. Ok. Oh, ok, très bien, ça part sur une nucléarisation. Tu mens. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu mens. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu mens. T'as pas de silo à missile. Tu penses? J'en suis sûr. Bah tu vas vite déchanter, écoute. Go chanter alors. Hein. Et là il construit un silo à missile juste pour me faire chier. Il serait capable en plus, c'est con. Mec, n'oublie pas que je peux créer des sous-marins nucléaires, moi. Tu peux créer des sous-mots, ok. Des sous-marins nucléaires. Et n'oublie pas que Saint-Pétersbourg est à côté des... Et d'un océan. Donc des fais gaffe. Des sous-marins. Ta gueule. Bon, pour la peine, je construis un croiseur lance-missile. Oh putain. Non, un sous-marin nucléaire plutôt. Un missile croiseur. Nique ta mère. Ok. Non, merci. Et pourquoi pas? C'est toujours la flemme. Oh, en plus, votre alliance avec Naïdé a pris fin. Oh non! Est-ce que ça veut dire que je vais rentrer en guerre avec lui? Et que je vais le dégommer? Alors tout dépend
de ce qui vient de se passer avec avec Ojo Takimutamer. Ah, le veuillez patienter qui est long. Ouais, je rentre en guerre avec Naïde. Allez, c'est parti. Yeah. C'est faux. Peut-être pas. Attends. Comment ça? Comment ça, je peux pas? Comment ça, je peux pas te proposer d'alliance? C'est quoi cette merde? Je sais pas, tant pis. Mec, je peux pas te proposer d'alliance. Peut-être que je n'en ai pas envie. Ok. Demande de... Bah c'est normal, j'ai pas encore accepté ta déclaration. Ah ok, c'est un plaisir d'annoncer, oui voilà, merci. Au revoir. Accepter le marché, merci. Le voilà. Bâtard, il a été... Bon, bah, écoute, je vais les déclarer, il a été le faire dans mon dos. C'est bien, bah, vu que j'ai encore le temps, je vais les déclarer une guerre à... Avec Madrid? Non, avec Catherine de Médicis. Bah tu peux pas, t'es en allié avec elle, du coup. Putain, regarde-moi cet enculé qui est les coups bas qu'il fait, là. Écoute, il n'y a pas de coups bas, il n'y a que de la stratégie. Ouais, enfin, j'espère pour toi que la stratégie ne va pas te mener direct à une défaite. Hein. On va voir. De toute façon, je peux pas te tuer. Par contre, c'est bugué, il est marqué qu'on n'est pas en alliance. Ah. Ouais. Mais, ouais, si on est en alliance, je confirme, je suis en alliance avec Catherine. Bah moi je vois le logo ami proclamé mais pas le logo Alliance. Ouais mais t'inquiète, on est quand même... c'est rien, c'est les bugs. Ouais. Alors au fait, comment te dire, t'as combien de science? 247 par tour. 380. Ok. Mais je vais gagner 5000 d'un coup. Tu vas rien gagner du tout. Si. Mec, c'était instantané, hein. Là, tu les as plus, en fait. Ah bon? De quoi? Bah, de ta science. Ah, j'ai pas encore utilisé, Ah, tu ne l'as pas encore utilisé? Bah oui, bah, il faut un spatioport pour l'utiliser. Pourquoi j'ai un bâtisseur chez toi? Qu'est-ce qu'il fout, là? Attends, où ça? Memphis. Ok, bah attends, je vais déplacer une unité. Hein. Oh non. Je m'attaquer. T'es le fils de pute qu'il est. Oh, le mec, il est même pas drôle. Par contre, mec, si tu fais en religion, ton pays, à part Séoul, mais parce que ça saoule, c'est bien jaune chez toi. Oui. Bon, à côté, c'est rouge, orange, rose, vert. Oh, en fait. J'ai aussi bientôt terminé l'arbre des dogmes. Et bon. Chaque truc me prend. Ok. Moi, je suis en retard. Je pense qu'on peut officiellement dire que tu as perdu. Oui. Bon, un tour, J'ai un nouvel ingénieur illustre qui me donne de l'activité et de l'habitation en plus dans la ville. Cool. 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 Mec, j'ai moins 5 en activité à ma capitale. Qu'est-ce qu'il va faire? Des choses. Statut agi... Ah, à tout moment, je suis dans la merde. Oui. Attends, Coq a appelé barbare, donc ça annule. Non, ça annule rien du tout, frérot. Ah, et ben fuck. Alors que moi, bah mes problèmes de famine sont réglés, et j'ai plus rien à craindre de... Okay. Sur mes villes, quoi, donc... Ok. Comment te dire? Que le changement de tour est long. J'ai. Non. Et pourquoi pas? Parce que la flemme.
Oh, mais tu me saoules avec ta flemme. Putain. Et bientôt mon deuxième spatioport dans 7 tours. Es-tu culturé, putain? Putain, il me... En attente de Naïdé. Bah attends, je vais lui faire comme il me faisait. Ah, trop tard. Chiette. Chez. Bon bah j'ai plus de 1600 d'or. Je génère 100 d'or par tour, 112 d'or par tour. Attends, mec, j'ai une question. Est-ce qu'on est d'accord, dans les persos, il y a les Sumériens? Peut-être bien. Du coup, ils ont de l'orge. Oui. Ah, chais. Mais ils sont pas dans la partie, les Sumériens. Ouais, c'est dommage, mais prochaine game, je sais ce que je joue les Sumériens. Mon Dieu, ça existe! Qu'est-ce que... Ah, en fait, j'ai pris Bruxelles, hein. Ah Là, merde. c'était l'état des ingénieurs. Ok. Ok. Choisir une prod. Choisir une prod. Envoyer un homme sur la lune. Finalement, pour l'instant, les seuls qui sont encore en mesure de me rattraper dans la science, c'est ces bâtards d'Espagnols. Pas attaquer. Bah chez moi, Même. tu sais que chez moi t'as rien lancé, t'as lancé aucun module. Quand je vois Et sur bah, il y Xur. a... bah, y en a qui est fini dans 18 tours. Ok. Et pour les deux autres, il faut. J'attends de la construction au moins d'un. Ok. Quant aux Espagnols, je pense que je vais les ralentir avec une bonne grosse guerre. Ok. Et je vais proposer à Catherine, comme ça au Oh moins on est non! tous en guerre. Comme ça on est tous en guerre avec. Non, Et que j'ai mec, un pacte de non. défense. Non. Non, mec, non. Et pourquoi pas? Je refuse. Parce que, Et mec, à pourquoi tout pas? moment, je perds une ville et je suis dans la merde et ça me casserait les couilles. Oh! Mais en plus! Mais en plus! Allez! Et en plus, Catherine, elle l'accepte avec joie. Oh non, fuck! Quel dommage, hein! Putain, enculé. On va dire bonjour aux Espagnols! Attends, comment je pourrais. Deux. Ok, très bien. Bon, allez. Prépare-toi à aller dire bonjour aux Espagnols et apprendre l'espagnol par-dessus tout. Tour suivant. Alors, pénalité de Belisus. Bon, pas grave. On sera tous en guerre contre eux de toute façon. Oh putain, il va falloir que j'enlève autant de notifs. Oui, moi c'est fait, j'ai fini. Tu peux le servir en chargement, hein, si jamais. Ah, je savais pas ça. De Ouais. toute façon, il faut que je choisisse un dogme et après je le fais en chargement. Ok. Écoute, tac. Ah non, en plus c'est moi qui vont attaquer. Ah, c'est dommage ça. Putain, culé. N'est-ce pas? Ouais. On va attendre deux Xeno. Ah oui? J'ai activé mon personnage illustre. Hop. Parfait. Veuillez patienter.
Ça, c'était pas prévu, par contre. De quoi? J'avais pas vu que la cité était au-dessus, elle était à eux. Mais bon, ah. Je peux la prendre, c'est pas grave. Shingeti? Ouais. Ah, je pensais que c'était à moi, apparemment non. Choisir une technologie, ouvrir l'arbre. Okay. Je rentre chez les Espagnols, voilà. On va continuer le contre-espionnage ici. Ouk. Ouk, ouk, ouk. Le terre brûlé, écoute. Je peux dire une production. Ici, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ouk, hop. Envoyer émissaire. Je vais reprendre Shingeti. Comme ça, au moins, je ne suis plus en guerre avec eux. Ok. J'ai pas eu assez de... Mais je suis pas peur, je continue. Pas grave. Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas fini en fait. Poursuivant. Poursuivant. Je vais peut-être avoir le temps de faire la paix avant qu'ils arrivent chez moi, vu que dans 6 tours je peux faire la paix et qu'il n'y a personne. Mais je vais dire ça et ils vont arriver avec une armée tellement grosse que je vais disparaître. C'était très bien, ouais. Ah oui. Après, ils ont pas l'air de vouloir se battre. Mmh. Ah, va-t'en, toi, t'es moche. Genre, je regarde chez eux, il y a genre quelques trucs, mais ils sont presque des japonais. Mmh. Choisir une prod. Bah ça y est, Shingeti m'appartient. Ok. Donc on est tous les deux en paix avec Shingeti au fait. Ok. En termes de cité-état ou parce que juste y est tu l'as conquéri? Non, je ne l'ai pas conquéri, mais elle n'a plus aucun sujet. Ok. Ok, tour suivant. Allez, plus qu'un tour et après ce. Et j'aurai mon deuxième spatioport. Ok. Et 6 tours après, bah j'aurai mon. Ok. J'aurai bah, mon 2 en 3ème. Et qui sait, peut-être j'aurai fini la partie. Ok. C'est imminent en tout cas, faut le savoir. Bon. La tension est à son maximal. Maximum. Bombardier réaction. Je regarde quelle unité est capable de. Comment dire? De lancer des têtes nucléaires en vol. Mmh. Est-ce que tu sais c'est laquelle des fois? Mmh. Non. Non. Parce que je sais pas si c'est chasseur, si c'est bombardier à réaction. Ou. Celle-là, elle peut bombarder, donc je suppose que c'est celle-là. Hop, j'ai un bombardier à réaction. J'aurais-il que...
Bon, après, je vais aller bombarder un peu l'Espagne. Vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, j'ai une alliance rompue. Chez. Celle avec les Gaulois. Ok, chez. Bon, puis. C'est pas comme si. J'aime bien comment il n'y a aucune unité qui fait la guerre. Oh. Oula, le lag, oula. C'est bon. Ah, j'ai eu mon deuxième spatioport au fait. Ouais, le lag. Attends. Ah, oui, c'est vrai, j'ai des bombes H. Bon, bah, allez, frappe de destruction massive, ah, écoute. Vas-y. Est-ce que je le fais directement sur Barcelone? Si tu veux, mec, fais-toi plaisir. Parce que là, en plus, ça va altérer toute leur ville. Ou Madrid. Oh, Madrid, ce sera incroyable. Vas-y, fais-toi plaisir. Lancer la mission de bombardement. Ah. Avant de faire ça, je vais quand même aller faire une déclaration d'amitié avec les autres pour pas qu'ils me déclarent une guerre derrière. Ouais. Parce que si je les bombarde, je suis pas mal dans la merde. Ok. Non, mais de toute façon, je pourrais pas. Je rêve où ils vont m'attaquer avec des religieux. Je sais pas. Mais en tout cas, Madrid est perdu. Hein. Ok. Je veux aller les bombarder à la tête nucléaire. Ok. Je lance un deuxième module qui va durer 13 tours. Donc dans 13, j'ai deux modules. Au revoir, okay. Madrid. Allez, on dit tous ous dans le chat. Au revoir, Madrid. Hop. Par contre, le niveau de lag que cela génère. Par contre, ta ville n'est toujours pas à toi. Oui. Oh bah, c'est normal, elle n'existe plus. Je vais tenter un truc. Ah, non, ne déplace surtout pas tes unités. Parce que, en plus de ça, ils sont. Tu m'as pris la capitale sous le nez. Pas de soucis. Pas de soucis, c'est le prochain sur la liste. Aïe. Ça lag. Le lag. Par contre, je t'assure que t'es le prochain sur la liste. Hein. Vraiment. Ok. Ah, putain. Alors, ah, bon. Bah, attends, mais par contre, je vais pas la défendre. Hein. À tout moment, ils la reprennent. Ah. Saint-Pétersbourg, en plus, il est pas loin de mes bombardiers. Non, mais mec, genre, reprends-la si tu veux. Non, mais... Non, mais c'est... T'es caté. je te dis, t'es le prochain. Ok, je crois que je l'ai vraiment énervé. Aïe. Non, je veux pas faire avec ça. Toi, production. Regardez, du coup, ma prochaine bombe. Oh. Ah merde. Vas-y, une production ici. Mais je peux pas faire le truc de si je veux l'annexer ou pas. Non, je peux pas. Parce que c'est... Non, va-t'en. Par contre, sache une chose, la ville ne te servira à rien en plus. Oui, non, mais t'inquiète, mais à tout moment ils vont me la reprendre. Hein. De toute façon, elle est libre comme air, là, la ville. Non, mais de toute façon, elle sert plus à rien, la ville. Jusqu'à la fin de la partie, elle sert plus à rien. Puisque oui. Là, tout est irradié, plus rien ne va marcher. Mais je vais construire un quartier résidentiel. En plus, je viens de voir une de leurs villes. Bon, t'as de la chance, du coup, la bombe, elle t'épargnera. Ah, tu viens de voir quoi en fait? J'ai pas entendu, ça a coupé. Là où ils utilisent leur science. Ah, tu vas l'attaquer? Ouais. Okay. Du coup, bah. Je vais pas la prendre. Au revoir Cordou, au revoir Sagaros et au revoir Valaouid. Mais... à la fois. Ouais. Et salut mon pote. De quoi salut mon pote? Bah, l'Espagne. Oui.
Ouah, le lag, le lag, attends, le lag, le lag. Oui. C'est où? Ah, là-haut. Putain, j'ai rien vu. Parce que ça a lagué. Il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi la ville n'a pas descendu? En tout cas, il y a une grosse trace d'uranium. Ouais. Bien sale, bien moche. Bon. On peut pas faire un truc ici, non? Oh, c'est nul. Bon, bah ici. J'aurais peut-être dû la lancer un peu plus sur le côté, mais en même temps, j'aurais redétruit. Quoi? Mec, je lag à mort. J'ai dit, si jamais... Enfin, j'aurais peut-être dû la mettre sur le côté. Par contre, si j'aurais fait ça, j'aurais détruit Madrid. Pas grave, Madrid, je compte pas la garder. Non, mais le truc, c'est que si je la détruis à nouveau... Ah oui, non, en plus, c'était pas ton char. Parce que je croyais que t'avais un char dans Madrid. Ah non, non, rien, j'ai rien. Mec, tout ce que j'ai comme unité, c'est un hélicoptère. Ah oui. C'est pour te tirer. Choisir production. Il me refaudrait quelques ogives nucléaires là. Pour faire une petite. Bon, en attendant, je vais détruire leur bâtiment de science. Le temps de me faire une petite ogive nucléaire. Fais-toi plaisir, mec. What? Mais mon bâtisseur, il n'existe pas. Qu'est-ce que. What? Ah, mec, j'ai des bugs, mais ils sont. Non, je veux pas quitter la partie, hein. Le truc, il s'est mis dans le menu tout seul, et... Étrange. Ouais, non, mais je lag tellement qu'à mon avis, il s'est mis dans... Ouais. Construire une nouvelle bombe H. Merde. Ça va me construire 15 tours. Ça va me prendre 15 tours, mais dans 15 tours, je peux encore lancer des têtes nucléaires. Et merde. I am in the sauce. Un peu. Et comme je l'ai dit, c'est par un heureux hasard, ça. Après. Oh non, ça va être russien. Donc... Attaque Madrid, mec. Le mec, comment il lâche ses alliés? Bah, c'est pas mes alliés. C'est... Mais je te l'ai dit, c'est une ville, elle ne sert à rien. Ouais, mais il fallait penser avant. Je l'ai pris, mais pour la blague, mec. Le cinéma, tu connais? Ça se voit, t'es pas un streamer. Non, non, mais mec, si je parle beaucoup et que du coup je sais pas me taire, c'est parce que je suis un streamer. Arrête de nous faire une gigi, s'il te plaît. Le spectacle, mec. Le spectacle, comme tu dis. Contamination pendant 17 tours. Ok. 100... Mec, imagine, 105 tours pour le quartier résidentiel. Ah. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est un petit peu. Ouais. C'est à peine trop. Bon alors on va continuer quelques bombardements. Le lag. J'entends des trucs qui explosent. Oh. Ah, faut que ça c'est mieux en fait. Après oui, bon ça je vais... Bah ils sont style envers moi les Brésiliens, tout ça. Ça m'arrange. Ça veut dire que prochain missile. Je pourrais aussi les nucléariser. Ouais, le prochain missile, c'est dans leur gueule. Ok. Ou dans les tiens. Ou dans la tienne. Je n'espère pas. J'espère pour toi. J'espère pas. Je l'ai énervé. Un peu. Mais non. Mec, t'es pas énervé. C'est une hallucination. Ah merde. Saint-Pétersbourg va bientôt devenir une... Non. Je refuse. Ah, le lag. Ah bah en plus j'ai eu ce... Les Japonais ont fait la paix avec... Avec eux? Avec les Espagnols et les Tomiris. Donc je n'ai plus de raison de les nucléariser. Aïe. Mec, pendant 30 tours, il m'offre des ressources plus 23 d'or par tour, l'Arche d'Alliance et pour la paix. Moi, j'ai juste lui donner la paix. Allez, donne-moi tes ressources, sale pauvre.
C'est où ça en fait? Ah, le lag! Oula, 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 mec, mon PC il a du mal. Ok, c'est bon. Mec, t'es toujours là? Oui. Ok, mon PC il a du mal, ça. Mais ouais, pourquoi? Je veux pas de toi, t'es moche, tu sers à rien, assistant là. L'assistant Google qui vient faire chier. Alors que je vais accepter son accord. Non, attends. Que j'ai juste le temps de recharger mes ogives nucléaires. Non. Bon, quoique je les ai suffisamment affaiblis, je pense, les Espagnols. Va falloir maintenant que j'aille rendre part d'une petite visite aux Brésiliens. Acheter une case. Comment ça, j'ai 30 milliards d'uranium? Où ça? D'où? Quel pays construit l'uranium? Je vous dénonce. Ah. Ou alors, est-ce que j'ai de l'uranium parce que j'ai une ville irradiée? Ce serait con. Peut-être bien. Je sais pas. Tout ce que je sais, mec, actuellement... C'est que t'es bientôt mort. Non. C'est que... Je regarde... Ah, et je suis à la moitié de la victoire culturelle, d'ailleurs. J'ai hâte de voir. Je suis à 67 sur 128. Ok. Oh, putain. Ah ouais. Oh, vous êtes beaucoup à viser la victoire scientifique, quand même. Bah, c'est un peu la seule qui nous reste. Mais il y en a aucun qui est aussi avancé que moi. Ouais. C'est pourquoi il va falloir que je fasse très vite ou que je nucléarise les gêneurs. Ah. Bon, déjà, dans les gêneurs, j'aimerais vérifier un truc. C'est combien de sciences par tour génère l'autre camp que je viens de nucléariser. Deux fois moins que moi. En même temps, je trouve que t'as un peu détruit sa capitale. Un peu. Hein? Mais c'est un détail. Allez, je construis une deuxième ogive nucléaire. Oh non, le mec. Science par tour 432, ah oui. Du coup, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir si vous... Ouais. Si vous devenez trop gênant. Oui. Sachant que j'ai un deuxième bombardier qui arrive. Oh non. Putain, mais... Des lags. Mon PC, il a du mal. Hein. Attaque aérienne. Ouais. Non. Pas tout de suite. Pour l'instant, au repos. Au repos, l'avion. Ah, et en plus, c'est vrai que j'ai une base à Memphis. Ce qui veut dire que si je veux taper Saint-Pétersbourg, c'est genre la ville juste à côté. Non, merci. Non, merci, je suis un peu pas consentant. De toute façon, je crois que tu peux pas m'attaquer parce qu'on est en alliance, je crois. Oh. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie chemise. Quoi? Attends. Il reste combien de temps avant Je sais pas où est-ce qu'on voit ça. Imagine, à cause de ce que j'ai fait, je suis en tête de victoire militaire. Peut-être. Oui, bah c'est logique en fait. Alliance, non. Je sais pas où on voit ça en vrai. Je sais pas, mais... Je sais qu'on peut le voir quelque part, mais... En tout cas, pour l'instant, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon bombardier. Tu vas l'envoyer où? Dans la ville juste à côté de la chaîne. Ah, merde. Déjà pour toi, mais pas que. Ah, bon, bah si c'est pas que moi, ça va, alors. Oh, si c'est ces bâtards de Brésiliens, là. Après, je sais pas si tu les touches. Bah s'il faut, là, je fais un sous-marin nucléaire, ça va être vite réglé. Mec, au pire, je te propose un truc. Quoi? J'ai de l'uranium. Mais... Attends, ça dépend. Est-ce que j'en ai besoin de... Croiseur lance-missile, non, c'est pas ça que je cherche. T'as de l'uranium? Oui. Peut-être que ça pourrait m'intéresser, en effet. Ok. Bah, je vais attendre quelques tours.
histoire de voir ce qui peut être proposé. Ah, oh, bah non, en fait, j'en ai pas besoin. Ah, j'en merde. Ai pas besoin. Ah, et quel dommage. Et du pétrole, t'en as besoin? Non. Ah. Je n'ai plus besoin d'aucune ressource, en fait. Ah, merde. C'est con, ça. Oula, le lag. Oula, le lag. Passe-moi mon jeu. Je suis en tête de... Ok. Oula, oula. Je suis actuellement à tout à l'heure. Ok. Du coup, tout ce qu'il faut maintenant, c'est de la prod. De la prod. Je vais pas aller construire ça, ça fait tellement de prod ce truc. Ça en fait pas beaucoup, mais ok. Non, c'est juste ça, voilà. Hop. Tour suivant. Faut juste que ce truc se termine plus vite. Ah bah ça y est, ça c'est fini. Est-ce que, qu'est-ce que je lance? Un sous-marin nucléaire? Tu lances bien... rien, mec. Tu lances un live. ou bien, je pars sur un... Je pars sur mon... Oh bah non. Module d'habitation. Comme ça, quand c'est fini, bah j'ai gagné la game. Ok. Il te reste que ça? Oui, 19 tours. Bah, c'est normal que chez moi, c'est pas marqué. Bah, parce qu'il y en a deux qui sont à 7 tours et le dernier, il y a 19. Ok, bon, bah, à mon avis, t'auras gagné. Je pense. Parce que le dôme sur la lune, c'est dans 9 tours. Et je peux rien construire tant que je l'ai pas fait. Donc, ouais, j'ai gagné. Ouais. En tout cas, de ton point de vue. Après, il reste les deux autres. Qu'il faudra que je calme si jamais. Ouais. Après, à la limite, Non, je peux rien faire, en fait. Bon, ça m'étonnerait que les Espagnols, eux, se relèvent de ce que je leur ai mis. Ouais. Surtout que leur bâtiment scientifique est encore en flamme, je vois. Attends. Je suis en haut ou en bas? En haut. Ah oui, la ville où on voit rien parce qu'il y a juste une tache de verte bizarre. Oui, voilà. Ok. Une tache nucléaire. Ah, par contre... Histoire irradiée. Par contre, Madrid, ça a gagné le truc. Le truc que je construis, il était à 100 tours, il est passé à 54. Ouais, bah tu vas me rendre Madrid, hein. Ouais, mec. Aucun souci. Non, en fait, c'est faux, j'en veux pas. Ouais. Moi, c'est juste parce qu'il me l'a fallu à un moment, du coup, en soi, au pire, voilà. Bah, là, concrètement, je sais pas ce que tu vas encore en tirer, mais... Rien. Voilà. J'en tire le plaisir de enfin l'avoir, parce que j'ai pas pu la prendre le premier live. Je me demande ce que ça ferait si ça à Pétersbourg retombait à... Alors, mec, non. Je t'ai déjà dit non. Pourquoi pas? Non. Et pourquoi pas? Non. Bah, comme j'ai dit, pourquoi pas en fait? Parce que non. Oh! Je n'aime pas qu'on me refuse des choses. Alors, par esprit de contradiction, je vais le faire. Non, merci. l'arbre des technologies, vas-y, va pour ça. Ah non, va pour ça. Choisir une prod! Ça lag. Surtout que d'ici 4 tours, j'ai mon premier EOG venu. Ok. Pas cool, mec. Et pourquoi? C'est pas cool. Un négociant. Choisir une prod. Un croiseur lance-missile. Ok, mais j'ai pas de missile. Le Christ Rédempteur.
pense que je vais aller envoyer carré de la diplomatie à Saint-Pétersbourg. Juste une histoire de négocier. Bah, va là où je t'ai dit. Mais va dans la ville que je t'ai dit. Il est temps. Pourquoi il veut pas changer de ville? Est-ce que le Japon? Bon, passer son tour, voilà. Il est chiant. Ah, mais va-t'en, toi. Le bouddhisme, tu l'as implanté que chez moi? Ouais. Enfin, sauf à la dernière ville. À la dernière ville, mais ils vont me ils vont la reprendre. C'est de l'implanter dans d'autres trucs. Je peux pas, j'ai pas le temps. Je veux pas qu'ils aient la victoire religieuse. Bah, en soi, tant qu'ils l'ont pas chez moi et chez toi, bah ça va. En vrai. Tant que je suis majoritaire chez moi et chez toi, ça va. Unité en attente d'ordre. Mais qui est en attente d'ordre? Toi? Mais va là où je te dis. Bon, au pire, va voir eux. Ah, eux, ça marche. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah non, je sais pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Oui, non, c'est parce que... Je l'écris dans mon chat, pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux faire. Même si c'est quand même bizarre. Mais pourquoi pas. On va attendre de Xeno. Ouais. Tu veux attendre encore un peu? Ah non, mais je sais. Mais en fait, je sais pourquoi je le vois. Mais parce qu'il n'est pas à moi. Il n'y a pas un truc que je peux faire. Ah. Puis le moment où je truc pour voir si je peux pas faire un truc en plus. Ouais. Ah, Catherine m'a proposé un accord. Ah. Oui, mais que je verrai après le tour du coup. Voilà, ouais, Thérèse, est-ce que ça en vaut la peine? Oh non, celle que tu vas attaquer. Bon bah très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a fait un accord qui ne valait pas la peine. Tu te rends compte? Ah merde, tu vas l'attaquer du coup? Oui, okay. C'est tout ce qu'elle mérite. Bah vas-y. Hein. Ah, il me refaut 2 d'aluminium. Voilà, fin du tour. Ah, si tu veux de l'aluminium, j'en ai. Hein. Et qu'est-ce que tu proposes en échange? La paix. Ceci ne m'arrange guère. Je te propose le paix. Je te propose le impact, l'entièreté de ton aluminium. Contre? J'ai pas entendu. L'entièreté de ton aluminium. C'est-à-dire que avec un pack de défense, si quelqu'un la guerre, il y a... Genre, mec, tu coupes. Je te propose un pacte de défense. En gros, c'est quand quelqu'un est en te déclare, il sera en guerre avec moi. Ok. Par contre, en échange, ok, ça j'ai compris, ok. Par contre, vraie question du coup. Oui. Si c'est toi qui me déclare la guerre. Bah je ne pourrais pas te déclarer la guerre du coup. Ah bon ben. Si t'as voulu la paix, envoie-le le prix. Proposer un accord. En fait, c'est exactement. Déjà proposé. Oui, mais en fait, je trouve que c'est que ça. Comme j'ai voulu changer un truc, mais parce que j'ai mal cliqué, du coup, ça a proposé de changer. Voilà, tu as eu ton accord de paix. Ok. Donc on peut pas se battre entre nous, ça c'est bien. Allez, plus vite le changement de tour. 2 minutes là. Oh, 2 minutes là, oui. Oh. Putain, ils ont enfin construit une nouvelle ville. Ils ont construit Toulouse. Je crois qu'il est temps pour moi de... Déclarer la guerre à l'Afrique. Prochain tour, je déclare la guerre
Aux deux derniers. Pas aux deux. Ah oui, non, je peux pas, toujours pas. Les Scythes et les Espagnols. Non. Ah. La Russie. Je parlais des Brésiliens, mais je peux toujours pas. Ah. Mais du coup. Là, j'ai une bonne répartition de mon territoire. Hein. mec, je regarde comment il m'apprécie les. Moins 55 Non, moins 155. les Espagnols et tout là. Oui. En même temps, bon, je les ai un peu nucléarisés, les pauvres. avec Tomiri, je suis à moins 508 en tout. Et avec l'Espagnol là. Pareil, nous occupons plus dans une civile. Ok. Je vais choisir une technologie. J'ai mon ogive nucléaire qui est prêt. Ok, moi je lag. Ah. Ouais. Donc je vais rechanger de base mon bombardier vu que je peux plus t'attaquer. Merci. Quoi que je vais attendre avant de les changer. Okay. Non pas que je vais te nucléariser, mais juste pour voir si je peux taper dans les Espagnols avec. Vas-y. Si pas, bah j'irai déclarer une guerre aux Espagnols et je les finirai. Ah, je vais bientôt avoir la démocratie dans 6 tours. Dans 6 tours? Ouais. Mec, la démocratie, je l'ai depuis longtemps, moi. J'ai eu tous les dogmes. Mec, je suis en retard, je te rappelle. Ah ouais, il est pas qu'un peu. Oui. Oh, ce mec, quoi. Putain, imagine, mec, t'as un concurrent direct à la truc qui s'appelle Ojo Tokimoni. Tokimoni. Quoi? Ojo Tokimoni. Il est en train de faire le truc de la science, tu devrais l'attaquer. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est marrant. De toute façon, je peux affirmer que pour la victoire scientifique, plus personne ne peut me rattraper. Ok. Parce que prochain tour, j'ai déjà deux des trois objectifs qui se terminent. Mmh. Je peux affirmer donc que plus personne ne peut me rattraper. Ils avaient réussi à envoyer un homme sur la Lune. Tu te rends compte? Oui. Ah, par contre, tu sais, tu te rends compte quand même que t'as pas détruit leur spatioport. À qui? Au Madridien. Je peux m'en occuper s'il faut. Je peux venir finir le travail. Si tu veux. Mais mec, le spatioport, genre, il est à côté d'un monument qui lui est en flamme. Oui. Mais lui, il a rien. D'accord. Ouais. Bah après, en fait, il a construit suffisamment de loin du centre pour que bah il soit pas affecté. Oula, je lague. Pour lui, lague. Oui. Ah bah en plus j'ai une ogive nucléaire qui est terminée. Ok. Dans 4 tours j'ai envoyé un homme sur la Lune. Bah moi dans 13 tours bah j'ai... Gagné. J'ai gagné, voilà. Ouais. C'est cela. Ouais, je continue ma production de bombes H. Hein. Catherine, non tu fais pas ça. Catherine quoi? Un allié signale que la France envisage de déclarer la guerre à l'Espagne. Bon, je peux apporter du soutien si jamais. Ah, t'es la seule chance que j'ai de gagner. Donc bon. Ah oui. De survivre plutôt. Aïe, choisir une technologie. Oui. Mais est-ce que j'ai envie que tu survives? Bah. Faut même te battre, donc oui. Tu m'emmèneras dans ta fusée. Alors là, bon, bah, je suis là chaud. Là-bas. Je vais voir, tiens, si je peux directement taper dans les... Comme j'avais dit. Qu'est-ce que tape sur les Gaulois? Sans raison valable. Tape sur les Japonais. Mais va-t'en! Putain, non, le lag... Je peux pas taper dans les Brésiliens. Il ne peut pas taper... Putain, il me demande tous un pack de défense, maintenant. C'est ça d'attaquer les gens sans raison. Ah mais du coup c'est. Mais du coup moi là en fait ça veut. Que j'ai fait de l'Espagne un exemple. Oui. Ah merde, il a lancé le module du réacteur.
Bon, bah, on va continuer à faire de l'Espagne un exemple, là, écoute. Oh non, il va terminer l'exemple. C'est ça. Oui. Pour bien faire comprendre et faire expliquer à mes adversaires que si jamais ils avaient l'idée de merde de m'attaquer, qu'ils doivent se... rejeter cette idée, s'ils veulent survivre. Mais avant de leur lancer une ogive nucléaire sur le coin de la gueule, je vais m'acheter un éclaireur. Ah. Disons que cette fois-ci, j'ai légèrement envie que tu me voles pas la ville sous... Oui, vaut mieux. Non, prends une unité un peu plus forte que l'éclaireur. J'ai un ranger. Non, un peu plus forte, je dis, genre une unité qui pas vraiment... Prends un chevalier ou quoi. Mec, un ranger, c'est une puissance de 60. Ah, bon bah, go alors. C'est un éclaireur amélioré en plus. Mec, ils viennent de construire une nouvelle ville, les Gaulois. Ouais. Et c'est censé me faire quelque chose? Mec, ils l'ont construit, mais ils peuvent juste avoir de l'aluminium avec. Ils pètent du poisson à la limite. C'est Bagagum Nervurum. Nervurum. Ok, bon. Bon, tu m'en voudras pas si j'ai un éclaireur qui passe chez toi. Non, t'inquiète, mec. Si tu veux, on lui offre un café même. Bon, bah. Regarde les objectifs et admire. Bah GG hein mec. Il me reste plus que le module d'habitation qui se finit dans 11 tours. Combien? 11? Oui. Ok, moi dans 2 tours j'ai mon homme sur la lune. Ouais mais le temps que tu fasses le reste je pense c'est bah, fini pour toi. En vrai j'ai 3 spatioports. 3 spatioports mais j'ai pas chacun, chacun des objectifs demande plus de 20 tours. Donc Ouais. Un problème, en effet. Choisir une production, où ça? Ici, bâtisseur. Négociant... Oui, attends, 2 secondes. Je te fais la même. Après, moi, tu sais, je m'en bats les couilles. La preuve? Oui. La preuve, votre alliance avec Naïdé a pris fin. Ah. Bon bah, go faire la guerre, hein. Attends, mec, je lag. Ah, go faire la guerre. Attends que je lag plus, ok? Ah oui, bien sûr. Mec, je lag vraiment, là, je te jure. Ouais, mais non. De toute façon, t'es allié avec Ojoto Kimune, donc je peux pas. Ok. Par contre, je peux t'exiger un don, ou te dénoncer. Mais non, c'est... J'avais fait la paix avec toi. Donc, on va rester en paix tous les deux. Et en plus, tu n'es plus une menace, donc. Ouais. Mec. Regarde le chat. On est en paix. Oui. Refais ça, je te déclare la guerre. Le pire, c'est que je sais qu'il est sérieux. J'ai un truc qui se construit en moins de 0 tour. Prochain tour, j'achève les essais. Ok. Attends, c'est quoi ça? Et là, il n'y aura pas de réédition possible. Choisir une prod, où ça? Ici. Toi, va... contre-espionnage. Oh, quoique... Attends, c'est... Si je peux aller jusque-là, mais mec, je suis aux anges. Jusqu'où? Je peux aller finir Barcelone. Bah vas-y, mec. Tu me la prends pas. On est d'accord? Non. Attends, elle est où Barcelone? Non, bah de toute façon, si je veux passer, il faut que je passe par la radiation. Oui. Je vais pas te mentir que j'ai un peu la flemme. Sachant que ma seule unité, c'est un hélicoptère. Allez, tous dans le chat, on dit au revoir aux Espagnols. Hélicoptère. Oui. Attends, je regarde l'avion. Le bombardier il passe. La délicieuse bombe H. Il lâche son caca. Par contre, j'espère que ça n'a pas été jusqu'au japonais. Non, c'est bon. Alors, t'as détruit leur port. Ah, le lag. Est-ce que t'as détruit leur... Ah, t'as... Non, ça c'est leur... aérodrome.
voilà ce que t'as détruit, hein. Ce qui est... ouais. T'as détruit leur champ. Putain, si je pourrais, je t'avoue, j'irais bien aussi éclater Tomiris. Mec, t'as un peu glissé sur Nalanda. Ah ouais? Ouais. En Nalanda, c'est où? C'est ma cité-état. Ah, désolé. Contaminé pendant 20 tours, ok. Mais bon, au moins, j'ai envie de te dire, les Espagnols sont définitivement écartés de la cour. Ouais, et ils t'ont déclaré la guerre, apparemment. Bah, c'est normal. Oui. Quelque part, j'ai envie de dire, bon... Oui, c'est logique. Dans un tour, j'ai envoyé l'homme sur la lune. Oui. Bon, donc, juste par curiosité, maintenant, je vais voir un peu Généros. Ouais, le lag. Est-ce que t'as une vue sur la carte des Espagnols? J'ai Madrid. Non, une vue sur leur carte. Ouais. Pourquoi? Tu veux voir quoi? Dis-moi où ils retiennent leur bâtiment. Leur bâtiment de science? Ouais. Il y a Cordoue, il y a un campus. Ouais, mais je vais dépasser sur Nalanda. Ils sont en train de construire un campus, un spatioport à Saragosse, ou à droite. À Saragosse? Ouais, au-dessus de Saragosse, il y a un spatioport. Mais de toute façon, tu peux regarder toi-même, hein, en vrai. Ouais, mais moi j'ai pas de vue sur leur. Bah, en fait, c'est parce que je l'ai vu vite fait avec les Japonais, en fait. Mais. Et à Tolède. Bah, je pense que je vais directement nucléariser Vala. Ok. De toute façon, ça va sûrement dépasser un peu dans. Mais ça va surtout dépasser sur leurs deux autres villes. Ok. Bon, 26 tours pour chaque module. Ah, 21 ici. D'ailleurs, je vais aller chercher Barcelone. Vas-y. Vu que. Oula, le lag. Ouais. Je passe chez toi, tu m'en voudras pas. Ouais, par contre, attends, je lag. Ouais. C'est bon. Vas-y, on va tenter ça. Merde, c'était pas eux. Je suis en train de recruter des partisans chez Tomiris. Ouais. Oui, je veux changer pour la démocratie. Attends, j'ai un éclaireur là. Ah. Chez Tomiris, ça. Eh ben, GG, mec. Bah écoute, je vais la supprimer. Hein. D'ailleurs, je vais déplacer un de mes deux. Parce que bon... Je peux pas avoir de la production plutôt que... du rendement en or. Ah non, ça c'est les merveilles. Vas-y. Et puis ben. Tolède. J'aimerais bien aussi nucléariser Tolède. Bah vas-y. Le problème c'est qu'ils sont un peu loin. Ouah, c'est passé à 14 tours. Après, si je veux nucléariser Tolède, il va falloir que je déplace un de mes... Ouah, le lag. Ok, c'est bon. Unité en attente d'ordre. Ouais, j'ai pas moyen d'améliorer ma prod. Modestico. En fait, combien de tours pour toi? Pour toi? Comment ça? Pour toi finir. Ah, 10. Ouais, il m'en faut 24, j'aurais pas le temps de finir. Ouais, non, mais je te l'ai dit, t'aurais pas le temps. À ton avis, pourquoi j'ai accepté l'accord de paix avec. Ouais. Ah. Et que si tu venais à devenir une. J'ai. 1, 2, 3, 4, 5 bombes. 4 bombes H et une bombe. Ok. Bon, en tout cas, j'ai les trois projets et trois les modules qui font en lancement. Ça, c'est tout le truc que je peux te dire. Mais je pense pas que j'ai gagné, hein. J'aurais pas le temps. Non. À moins que d'un coup, genre, tu prends un missile sur ton spatioport
d'un peuple random, genre on le voit pas venir, ou un sabotage, ou je sais pas quoi. Et voilà. Moi je peux pas te saboter vu qu'on est en alliance. Oui. Du coup je vais pas te mentir que j'espère qu'ils sont en train de te saboter. Et puis ben ouais. Genre j'aime bien comment il y a Solicasme. Il voit des avions passer qui lancent des bombes nucléaires, mais ils s'en battent ses couilles. Oui. Tu parles du fait qu'on me sabote ? Oui. Le seul spatioport qui est encore en train de travailler, il est protégé. Ok. Donc non, on peut pas me saboter. Ok. Ah, le lag. Putain. Oui. Je m'en fous. Non, par contre, je sais pas pourquoi je lag comme ça. Oui. Oh, encore, vous... encore. Sûrement à cause des nucléaires que j'ai lancés, vu que ça génère plus de... Enfin, ouais. Ça génère de la ressource. Tu peux arrêter, s'il te plaît, mec. J'ai des problèmes. Non, mais mec, on s'amuse. Là, tu vois, tu voulais détruire les Espagnols. Oui, mais... Là, on m'amuse à les détruire. Vas-y. Tu peux... Par contre, tu peux te dépêcher de gagner, si tu gagnes. Parce que bah, c'est 9 tours. Parce que c'est pas que je lag, hein, mais je lag. Bah, j'aimerais bien pour ça que tu passes ton tour. Mais mec, je lag. Putain, dans 13 tours... J'ai une nouvelle bombe H qui est prête. Ouais. Au pire, dans le RP, ce qui se passe là, c'est en fait, tu vas lancer tes modules, tu vas coloniser une planète, et moi je vais te rejoindre de l'autre côté de la planète. Non. Briel. Genève a déclaré Nanmadol. Oula. Nanmadol ? Attends, c'est où ça ? Nanmadol, c'est où cette connerie ? Est-ce que tu sais où elle est la cité état, Nanmadol ? Attends. Ah, je l'ai vu. Ouais, non, celle-là, je vais peut-être pas pouvoir l'attaquer. Ah merde, j'ai pas si de... Si je fais ça, je vais déborder sur les Japonais. Ok. Bon. On va aller dire bonjour à Valadoïd. Vas-y. Un port. Un bâtisseur ici. Un bâtisseur, là. Mec, regarde une nouvelle nucléaire qui arrive. Merde, tu me fais laguer, mec. Ça... En fait, pour savoir où c'est, tu peux cliquer sur cité-état. Et tu regardes. Et Nanmadol, en fait, c'est à côté des Japonais. Voilà. Bon bah il y a une deuxième ville chez les Espagnols qui est officiellement mort. Ok. Putain, le lag. Par contre, j'aime bien comment ma ville, il y a littéralement un avion qui passe, il lance une bombe nucléaire au loin, et c'est tout. Et bon. Toi tu regardes. Bah c'est les habitants qui regardent techniquement. Oui, mais bon. Putain, mais c'est quoi ça? On avait gagné un casus belli. Ok. Mais il veut quoi lui? Il veut me faire laguer encore? Oui, si tu veux, mec. Oui, si tu veux, mec. Voilà, c'est bon. 23. Astrakhan. Je suis en train d'essayer de booster un max ma production, mais ça va pas marcher. J'aurai pas le temps. Non mais mec, même si tu boostes ta production, c'est fini. Oui. Cherche pas en fait. Et c'est passé de 22 à 20 à 21 tours. C'est passé de 21 à 20 tours. Pas avoir le temps. Ah, attends, il y a des perles en fait. Transport aérien. Ah, ça fait de la production ces trucs. Trop bien. Attends. Pire. Attends, c'est où ça? Je peux pas en construire d'autres? Si, je peux en construire. Mais ça, c'est pas chez nous. Ah, si, ça, c'est. Ok.
Tiens, donne-moi ça, toi. Il était en attente d'ordre. Où ça? J'avais pas pu le dire avant. Merci. On va attendre de Xeno. Ouais, il va falloir attendre encore un peu. Combien de tours? Combien? Moi, 20. Oh, bah, t'es encore loin. Et toi? Combien, dis? 9. Ah, oui, bon. Je pense que même si tu doubles ta production, c'est mort. Ouais. Bah, en fait, j'ai peut-être moyen. Mais genre, le problème, c'est que j'ai quand même une ville qui est en retard. Enfin, qui est niveau production, qui est quand même en retard, et du coup, c'est chiant. Ouais. Si j'arrive... En fait, le problème, c'est que je peux plus augmenter la production de Saint-Pétersbourg, qui est à 15. Du coup, voilà. Je suis obligé d'attendre que mes avions font le trajet pour pouvoir passer le tour. Ouais. Ah, bah non, je vais pas pouvoir aller chercher Barcelone. Ah, Catherine a proposé un accord. Ah. Ouais. Je vais pas pouvoir aller chercher Barcelone parce que quand mon ranger a essayé de traverser, bah il a été tué. Par la radiation. Faut faire le tour. Faire le tour. Ouais. What, le lag? Choisir moyen de fuir. À pied. Oh, ah. J'ai une nouvelle ogive nucléaire qui arrive au prochain tour. Oh non, Zetchana a été tué. Et ça, c'est pas réglo. Oh. Ah non, en fait, ça dépend de là où ils sont, en fait. Tu fais bugger mes bâtisseurs, par contre, tu le sais, ça? Oh. Oui. Todd, hein. Ouais. Je peux l'envoyer ici. Il est en attente d'ordre. Bâtisseur. Attends, va ici. Ah, mais. Voilà, merci. Elle veut quoi? Vas-y. Cette chana pour recevoir une promotion, sauf qu'elle a été tuée. Ah, par contre, elle a réussi à recruter des partisans. Oh. Ouais, il y a un mec. Mec. Tu vois où est Tomiris? Oui. Bah, va à Lyfik. Et regarde les barbares. Hein. Genre, tu vois ou pas? Attends, parce que là, je suis un peu occupé, je cherche un truc. Ah. Donc, tu m'excuseras. Non. Et pourquoi pas? Bon, merci. Elle a des trébuchés et des piquiers qui l'agressent. Ok. Ouais. Genre, le passé. Par contre, en vrai, il y a Catherine, elle a un espion chez toi. Ouais, j'ai vu ça. Ah, tu le vois? Oui. Ok. Elle le bouge pas, par contre. Je vais aller lui demander des comptes à cette pute. Hein. Moi, je regarde ce qui se passe sur Internet. Hein. Oh, bah. Peut-être même que... au prochain tour, j'ai gagné. Ok, ah. Et même pas sur une victoire scientifique. Sur la victoire scientifique, t'as gagné déjà? Quasiment. Ok, combien de tours? Non. Ouais, quasiment. Mais... combien de tours? Tu vas voir. Ok, c'est-à-dire zéro. Peut-être bien. Ok. Du coup, avec ça... ouais. Oh, c'est vrai, il faut que je déplace mes avions. Bah, vous savez quoi, vous allez dormir. Hein.
Une nouvelle ogive nucléaire est prête. Dis-moi, dans quelle ville t'as ton spatioport? Trois villes différentes. Bon, bah je vais faire à l'aveugle, là, écoute. Grod, non. Bah, je t'ai... Non, mais mec, je suis pas une menace. Et puis dépêche-toi de finir, mec, mon PC, il en peut plus. Si, tu es une menace, du coup. Bah non. À moins que t'es passé bah... au-dessus de... À moins qu'il te faut, genre, 100 tours pour... 20 tours pour le truc, c'est bon, t'as gagné. T'es à combien, toi? 19. Tu n'es toujours pas une menace. Oui, voilà. Donc dépêche-toi, s'il te plaît. Mon PC en peut plus. Mais ça m'empêchera pas de le faire. Oh non! Pas tout de suite, cela dit. Tant mieux. Il est en train de commencer à me lustrer l'anus. Quoi? Rien. Tu n'as rien entendu. Si. Et c'est ça qui m'inquiète. Le bâtard. Il est bizarre ce mec, tu peux faire ça après le live quand t'es tout seul? Je refuse. Ah merde. Oh putain, j'ai pas assez pour... Mec, t'as de l'or à me prêter? Seulement si t'annules la production pendant 5 tours de ton truc. Non. Et que tu me dises à combien t'en es. Bah, au pire, je peux négocier un coup de tête nucléaire. Non, mais mec, attends, t'as à combien de tours? 9. 9? Ah oh, oui, bah, t'as... Oui, bon. Ça a légèrement été retardé. Ah. Voici ce que je te demande. Ça lag. Ok, attends. Alors déjà, je vais te demander ça. Dès que ça arrête de lag, merci. Puis, des jeans. Mec, tu possèdes des jeans. Tu te rends compte? Oui. Bah, j'en veux parce que j'ai pas de m'habiller. Et puis, allez, on va dire ça. Non. Oh non, on va pas dire ça parce que... Non, retour. Hein? Là, retour. Voilà. Puis ça. Et ça, ça me semble bien. Voilà. Une alliance. Ouais. Ok. Par contre, t'es toujours buggé en mode ami proclamé. Hein. T'es pas mon avis apparemment. Hein. T'es mon ami proclamé. Très bien. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Il ne faudrait pas commettre une micro-agression. Une micro-transaction. Ta gueule. Non, merci. D'ailleurs, les radiations de Madrid ont disparu. Si tu veux passer chercher Barcelone. Ah bah oui, merci. Bah après, il reste celle de Barcelone. Ouais, mais bon. Bah après, tu peux contourner. Mais genre vraiment, tu passes par en dessous. Genre, tu vois... Regarde, attends. Madrid. Tu passes au-dessus de leur camp, donc tu feras gaffe par contre. Et tu remontes. Mec. Oui. Juste pour info. Même si j'ai pas fini dans 12 tours la victoire scientifique. Ouais. Faut que tu saches que... Attends, c'est dans... 1, 2, 3... Dans 4 tours, j'ai gagné dans la victoire culturelle. Ah. Ah, bon bah GG, hein. Ah, oh, mais le lag! Merci. J'ai couvert mes arrières au cas où et j'ai bien fait. Oui. T'as construit des monuments? Les monuments, non, j'en ai fait aucun. Ah, les seuls que j'ai fait, c'était en début de game. Ok. Oh, tiens, ça, vas-y, pourquoi pas, même si j'en ai plus besoin. Et toi, qu'est-ce que tu peux construire? Ça. À moins que je peux acheter ça, peut-être. Non, je peux pas. Bâtisseur, il va aller ici. Tour suivant. Il était en attente d'ordre, mais...
Ils peuvent pas le dire avant. C'est chiant. Oui. Oui, c'est chiant qu'ils disent pas que il y a un changement avant. Qu'il y a un unité en attendant avant le changement de tour. Toi, tu dois aller en mission. Je sais pas, disons. En paracadette. Non, c'est pas ça que j'aurais. Oula! En vrai, là, je pourrais simplement proposer en chef-d'œuvre aux autres pour contre un pacte de défense, okay. Sachant qu'ils ne peuvent pas me le refuser. Ok. Et bah, si je. Ah, il a construit Brodoué. Le lag. Et si je fais ça, je vais encore plus écourter ma victoire. Culturel. Ok, recommence la mission. Ouais, ok. Ah, bizarrement, ils veulent me faire la paix. Ouais. Et tu sais ce qu'ils m'offrent pour la paix? Tout. Un chevaux et 3 et 59 d'or. Seulement. Oh, les clodos. J'avoue. Et ils vont m'offrir une ville avec ça. Demande-leur Barcelone. Non, je peux pas Barcelone. Ah, dommage. Par contre, ils veulent pas m'offrir une veille. Bon, bah, on va refuser l'accord de paix. Hein. Miris a proposé un accord. Elle aussi, elle veut la paix. Mais elle veut que c'est moi qui lui offre Glor, mais elle a un peu craqué, non? Ouais, ma grande. Bon. Attends de Xeno, moi je dis. Je revérifie un truc et j'arrive. Vers quoi je me dirige? En paquet de fonds de militaire 2 du Brésil. Ça a marché. Ah, tu veux pas m'offrir ça? Et si je te propose ceci en échange? Non? Bah, va te faire foutre en fait. Je vais aller demander un accord à Ojo Kimune. Lui, je sais qu'il va accepter avec joie. Ah non, même pas, il est comme ça le bro. Très bien. Rachidi qui est. Ok, très bien. Allez, donne-moi le nom d'une de tes villes avec spatioport. Non. En fait, je dis ça, mais j'en ai pas besoin. Oui. Parce que je les vois. Ah. Et donc, je vais... Non. Déplacer quelques personnes. Non, mais... Il a cru que j'allais dire que... Non, mec. Je vais le nucléariser, tu sais. Non. Et pourquoi pas? Non. Et pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que dépêche-toi, mec. Mon PC, il en peut plus. On n'a pas le temps pour ces conneries, mec. Bah, c'est con pour toi. Moi, j'en ai le temps. Non, j'ai pas le temps. le lag. Par contre, je sais pas pourquoi, mais
Je t'ai donné tes ordres, connard. Oui, ça lag. L'univers n'en peut plus. On dirait bien. Là, même le mien commence à être à genoux. Hein. Oui, voilà, donc dépêche-toi, s'il te plaît, mec. Bah là, je peux pas, en fait. Que l'un de nous gagne. Ah. Ah, j'ai des bugs. Non, c'est pas lui que je voulais. Ah. Ah oui. D'accord, je comprends mieux. Ah. Bon, bah écoute. Construisez 3 aéroports. Ok, mec. Ah. Ah. Aïe. Bon, bah, ça arrive. Ça y est, tu passes combien de tours? Beaucoup trop. Combien? Une quinzaine. Ah, il m'en reste la moitié de ce que... Ah, une demi-quinzaine. Sept. ouais, donc une demi-quatorzaine. Oh, t'es tué, t'es mot. Tu vas te chier là un peu. Mais c'est parce que je lag. Mais on s'en bat les couilles que tu lags en fait. Non. Et pourquoi pas? Parce que j'ai dit non. Et pourquoi pas? Ma souris. Mec. Je sais pas ce qui se passe là, mais. Mais ça se passe. Ouais. Il y a trop de trucs à l'écran, mec. Quel dommage. Hein. Non, par contre, je sais pas comment ça se fait. Ouais, ça juste pour info, on est passé de 7 à 4 tours. Ah, ok, GG. Parce que, comment te dire, mon contre-espionnage a marché, j'ai envoyé 5 espions. Ok. Du coup, ben, 4 tours de souffrance encore. Oui. Mec, ne fais plus rien à part terminer les tours. C'est ce que j'essaie. Choisir une technologie, mais parce que j'ai pas le choix. Toi, tu passes ton tour, parce que t'as rien d'autre à faire. Toi, tu construis ça, parce que pourquoi pas. Bah là, en fait, je t'attends. Tour suivant, voilà. Oui, bah, excuse-moi, il y avait des gens, ils voulaient m'agresser verbalement en proposant des alliances. Hein ouais. Ah non. Solo, hein. Quelle bande de salauds. Quelle bande de salauds. Bah, c'est son tour. Plus personne peut me vaincre. GG. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux annoncer officiellement ma victoire? Bah, GG, mec. Oh, putain. Alors, en vrai, j'étais pas loin de te rattraper à un moment. Non. Si, à un moment, j'aurais pu, mais... J'aurais pu, mais comment te dire, en fait, je suis... Non. Là, j'étais sûr passer toute la partie. Non. Non, non, j'ai juste pas eu de chance. Mais toute la partie, j'ai mené, donc si, je t'ai surpassé toute la partie. J'ai pas eu de chance. Que mec, je te rappelle que je pouvais pas me développer. Match pour toi. Je pouvais pas me développer à moins de développer une certaine culture que je n'ai pas, que je n'ai eu que assez tard, du coup, ben voilà, et lui, ben, il construit ça, vas-y. Tour suivant. 4. Après celui du veuillez patienter, il en reste. Ok. Et toi, il t'en reste combien? 13, 9 et 5. Ouais, ok. Donc t'auras même pas le temps d'en finir un seul. Ouais, pas grave. Choisir une prod. Putain. Moulin à eau parce que je sais pas quoi mettre. Une université parce que là. Obtenir personnage illustre. Merde, c'est pas un. C'est pas un savoir. Ah ouais, mais il y en a déjà. Il y en a plus. Toi, tu peux construire ça, vas-y, parce que pourquoi pas.
Vas-y. Ah, clique là. Merci. Mais toi, tu veux quoi? Vas-y, construis là. Merci pour suivant. 4, 12 et 8. Mec, là, c'est mon dernier tour avant. J'ai 3 accords. GG. Attends, je vais voir c'est quoi les 3 accords. J'ai plein de bombes nucléaires. Ok. Putain, le lag, pas radé. Ouais, bon. Bah du coup, en gros, je te rejoins sur la lune. Oui. Ouais. Tu me rejoins après, t'es là perdant. Tu veux parce que tu es deuxième. Si tu veux, mec. Ah, il veut établir une ambassade chez moi. Vas-y. Bon bah tu vas pouvoir voir ton écran de défaite au prochain tour. Et lui, ben il va construire quoi? Il va. Il va aller ici. Tour suivant. Je vais choisir une prod parce que j'ai pas le choix, mais. Ouais. J'irais bien te stream hack, mais tant pis. Bon, de toute façon, je sais pas si ça va te servir à grand chose. Non, ça sert à rien. 11, 7 et 3. Ah, bah moi, c'est un seul tour là. Ah, bah GG, mec. Bon, bah, j'annonce officiellement, j'ai gagné. Et ben, GG. Merci. Je l'ai mis dans le chat. Merci. A recruter Boris Orlovski, un artiste illustre. A recruter Gustav Klimt. Gustav Klimt, un artiste illustre. Victoire. Ah, moi j'ai rien. Parti en pause, Xenokira. Ah. C'est la première fois d'ailleurs que je vois la cinématique de victoire scientifique. J'ai, ah, j'ai c'est bon. Celle de la... Il se passe des choses. J'avais juste vu celle de la victoire diplomatique auparavant. Ok. Tout redevient poussière un jour ou l'autre. Aujourd'hui. C'est notre civilisation qui s'éteint. Nice. Un jour, peut-être, vous rallumerez sa flamme. Bon, bah nickel. Chut. Ok, c'est bon. Il y a une cinématique. J'ai vu la cinématique de. J'ai pas regardé les classements. Bon, c'est pas grave. Tant pis, Les graphiques, tu veux dire? Ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je suis en train de retourner au menu principal. Tu veux que je te fasse un screen des graphiques? Non, non, merci, non, merci. Enfin, faut okay. Que tu envoies quand même pour moi. Comme ça, je vois. Trop tard. Ah, bon, tant pis. Trop tard. Ouais. 212 tours, on a pris. Ok, ben moi, je suis en train de retourner au menu principal. Moi aussi. Ouais. Du coup, je vais. Dès que ça a fini de lag, ben je coupe le stream. Hein. Ça, c'est pas le menu principal, mec. Qu'est-ce qui se passe? Victoire sur une partie. Bon, par contre, à mon avis, quand on fera des streams live, Civilization, quand mon PC il ira mieux, hein. Quand j'aurai un nouveau PC. Parce que là, Mec, je regarde dans mon historique de partie en ligne. J'ai une victoire, une défaite contre toi. Ok. Toi, t'avais eu la victoire culturelle, moi la victoire. Ok. Ben, dès que j'ai mon nouveau PC dans un bon moment, et que toi aussi, du coup, on fera la belle. Ouais, pas de soucis. Bah, moi, de toute façon, je commande la semaine prochaine. Ouais. J'aimerais bien que ça retourne au menu principal, s'il te plaît. Comme ça, je peux aller sur Streamlab. Bah, fais le totem, non ? Je peux pas, mec. Je suis bugué dans l'espace-temps. Mec, vraiment été mis à genoux, quoi. Non, mais pour te dire à quel point, là j'ai un écran, j'ai une image fixe de quand j'étais en train de construire la lune, de construire l'homme sur la lune. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Genre. Par contre, vu comment ton PC est à genoux, t'es sûr que le stream fonctionne bien? Ah oui, 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 il est toujours là. Sauf que là, il est sur une image de défaite. Ok. Voilà. Genre, il n'y a pas la même image. On n'a pas la même image. Ok. Bon, vu que moi je stream pas, je fais une civilisation. Ouais, n'hésite pas à venir sur mon chat, mon live, hein. Hashtag la visu, hashtag l'argent, hashtag tout ça. Si tu veux. Vas-y. Je suis bien content de t'avoir défoncé sur cette game.
Ouais. Bah, à la fin, j'aurais pu gagner. Et si j'aurais. En vrai, si au début, j'aurais pas eu les problèmes avec l'Espagne, j'aurais pu remonter, hein. Ça aurait été certainement plus serré, il est vrai. Mais Ouais. dans ce cas-là, j'aurais pas pris de risque. Je pense que tu sais comment ça aurait terminé. Ouais, tu m'aurais nucléarisé la gueule. Ah oui. Quoi, Ah oui, après, par contre. je vois ton magnifique écran de défaite. Ah oui, non, mais moi je vois pas ça. Hein. Moi je vois. Attends, je vais t'envoyer une photo. Hop. Ah bonjour le Kunokira, comment vas-tu? Bien et toi? Tiens, voilà moi ce que je vois. Attends, ouais, je vais voir le screen. Discord. Non, je vois pas un screen. Je t'envoie une photo depuis mon téléphone. Ok. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux pas screen. Ah oui. Le Putain, PC qui crache ses tripes, quoi. ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'était il y a plusieurs tours. Ah oui, c'était il y a une centaine de tours. Non, c'est faux. Non, attends. 200... Sachant qu'on a fini au tour 212, c'est tour 193. Ouais, donc une vingtaine de tours avant. Une vingtaine de tours, ouais. Ouais. Bon, du coup, bon pour ceux du live, je remets un peu les commandes. Ah, ça y est, moi je vois ton écran de Oui, civilisation. moi aussi, c'est pour ça que je dis au revoir. Ok. Pour ceux de la rediff, ben, n'hésitez pas à passer et à follow, hein. Et aussi, ben, et à vous abonner ici et sur la chaîne principale. Oulala, ok. Allez, bye, bye, Peace. bye.